Bonsoir pour tout le monde. Je dis à ces premiers demi-finales Copa América. Copa América qui va le Brésil avec Pérou. Déjà nous gagnons deux équipes nationales du Pérou. Voilà, c'était l'hymne national du Pérou et dans un instant, c'est pral l'hymne national brasileiro, l'hymne du Brésil. Tout le monde remet belle composition ça de Francisco Manuel da Silva, parole Joaquim Osorio Duque, qui c'est l'hymne national pays Brésil. Foxeville, bonsoir, premier demi-finale Copa América. Oui? Bonsoir Isiven et bonsoir tout le monde. Oui, Jean-Claude dit là, c'est première demi-finale et 47e édition Copa América qui va dérouler là entre le Brésil et Pérou. Et nous songeons deux équipes qui ont joué déjà dans la phase de groupe. Le Brésil était écrasé Pérou, mais ça c'est un autre match. Ça c'est un match à élimination directe. Et nous sommes capables de dire tout, c'est remake. Et finale édition 2019 là. Côté Brésil te bat équipe péruvienne dans 3 goals à 1 et pour le sacré champion pour yon 9e fois et Brésil cap cherché yon 10e titre pour cap chercher yon 3e 10e pour le rapprocher de l'Argentine qui gagne 4 qui capable qui gagne 14 qui gagne 14 qui capable remporter 15e dans tout pour rapprocher de l'Uruguay qui gagne 15 qui au sommet lui-même l'Uruguay déjà éliminé mais qui est éliminé donc il est capable de faire rejoindre par l'Albi Céleste. Nous pourrons pour nous plus notre détails sur match ça et de l'équipe yo tout c'est directeur de GA Roberto Tobar avec assistant Lio qui gagne Christian Chimon qui s'est compatriote avec Claudio Alejandro Rios Ortiz. Et puis, comme quatrième arbitre, c'est Alex Eira qui est en vénézuélien. Au niveau du vent, c'est Pral Derlis, c'est Derlis Fabian Lopez qui est en paraguayen. Il y a assisté de Heber Aquino, Milciades Saldivar, avec Ubaldo Aquino, alors que comme ils habite en réserve, vous connaissez tout, le cinquième ami qui ont mis en réserve, c'est Edouard Saavedra. L'important. Oui, l'important c'est toutefois habituel là, mais n'importe quand habituel là, il y a un problème, c'est lui-même qui a pris place là. Capable de remplacer normalement. Roberto Tobal, qui était dirigé, d'ailleurs, qui était là en 2019, dans Copa Brésil, était organisé en 2019, Brésil était remporté. Et Roberto Tobal, il était là, il était arbitré, Frank Saint-Ville, finale. Match final Brésil contre Paraguay. Brésil a remporté 3 goals à 1. Dans Copa Sal, il a arbitré 2 autres matchs. Premier match groupe BA qui était opposé à Argentine à Colombie. Il était arbitré tout quart de finale qui était opposé équipe brésilienne et équipe paraguayenne football. Donc deux équipes déjà proposition Fox, nous parlons rapidement. Composition. N'importe ça, vous voulez. Et composition équipe péruvienne, brésilienne, n'importe ça qui finit. Et composition équipe péruvienne, non. Et Pérou a joué dans le goal avec Pedro Gaïssé. Il y a un défense à toi qui a bien Anderson Santa Maria, Christian Ramos, Alexander Kalens. Et puis 5 mouns dans le terrain. Et Miguel Trauco, Yoshima Yotun, Renato Tapia, et Sergio Peña, Aldo Colso. Et puis 2 mouns devant, c'est Christian Cueva. À Gianluca Lapadula. Lapadula. Joueur Torino et dans le pays. Joueur Benevento, pardon, dans le pays d'Italie. Gianluca Lapadula qui passe dans Milan. Ah oui, et avant que M. Roberto Toba libéré de l'équipe, on pourra l'observer en minute de silence. Toujours dans la lutte contre COVID-19. Comme mes bols, par exemple, c'est pour remercier tout le monde qui bataille, et Fox Goumen qui baille tant yo, accent yo, énergie yo, dans la lutte pour combattre COVID-19 là, que le considère comme grand héros, et comme mes bols là, dans le message, il dit en rêve grand, puisque yo estime que c'est un combat yo gagné contre COVID-19 là. C'est un combat qui n'est pas facile à travers Modelan, c'est vrai, et il y a un pile pays et qui commence à gagner un combat ça, mais c'est un combat qui n'est pas facile du tout. Et coronavirus là, je pense à n'importe quel moment, et victoire finale là, c'est pour être humain la pied. Victoire finale là pour être humain.
Et entre-temps, Habitla lui-même lui prend position pour libérer 22 acteurs. M'a libéré tout Franks avant que nous allions. N'a pour 11 de départ équipe brésilienne qui vient là. Donc Everton Suarez Franks qui entre dans 11 ça aujourd'hui. Renan Lodi, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo dans la défense. Alors que Ederson, Li Nangola, Casemiro Fred dans le terrain. Richarlison, Lucas Paqueta et Neymar, nous t'ai dit Everton déjà, comme trois mouns dans deux Neymar, 4-2-3-1 pour le Brésil. Rencontre la démarré depuis 16 secondes. Franks Saint-Ville, c'est 49e confrontation entre Brésiliens et Péruviens. Nous avons demi-finale, 47e édition Copa América qui a déroulé dans le pays Brésil. Dans un premier temps, c'est une compétition qui a déroulé dans le pays Colombie et dans le pays l'Argentine. À cause de la crise qui a gagné en Colombie, il a désisté. Et l'Argentine, à cause du coronavirus, là, et l'Argentine, il a été retiré édition Copa América, ça, non, mais l'Argentine, et là, c'est Brésil, et comme un gros maman qui prend charge pour organiser la compétition, ça. Entre-temps, c'est une attaque avec l'équipe péruvienne, la passe de Christian Cueva, dégagement de la défense brésilienne, il y a un ballon contre le port Christian Ramos, qui font passe en avant, mais c'est pour Fred, milieu de terrain, équipe en Brésil là, qui font passe en avant pour Neymar, mais ça n'a pas marché. Ballon contre les ports, et Sergio Peña, la passe de Peña, ballon sorti en touche, touche pour les Péruviens, et Sergio Peña qui a quitté ballon pour Aldo Corso. Aldo Corso qui a joué comme un piston droit pour l'équipe en Brésil. Adenor Leonardo Bachi, et puis nous connaissons notre cité. C'est sélectionneur brésilien qui a 60 ans, il a remporté la Copa América déjà en 2019. Là, il a une position avancée, c'est Christian Cueva qui était décroché pour le tal, porté danger. Et dans quelle équipe en Brésil là, il a regardé Ricardo Gareca. Ricardo Gareca, qui est un technicien argentin qui a dirigé l'équipe péruvienne football là. Il a une responsabilité ça, puisque lui-même a un plan anti-Neymar et nous avons Péruvini avec un dispositif côté qui a une bataille mitantérien d'entrée de jeu. Donc nous avons fait nous qui ça, équipe péruvienne a gagné devant lui. Face ballon à contrôlé par Neymar. Oui, danger le centre. Un ballon contre récupération de la défense péruvienne. Ils ont gagné le contrôle ballon, ils ont passé en dans déviation, et ballon récupéré par les Brésiliens, quel geste technique, quand même, et Péruvien à suivre, Christian Cueva, la passe en retrait, ils ont dégagement de et Alexander Callens, ballon allé en touche, touche pour les Brésiliens, déjà, et troisième minute de jeu, Thiago Silva fait rentrer touche là, en direction de Casemiro, et Marquinhos, Marquinhos, dans One Santlan, Marquinhos pour écarter la droite, en direction de Danilo, Marquinhos qui contrôle le ballon, il calme les jouets là, il fait un petit passe en direction de Fred, Fred qui était libre pour Thiago Silva, Emiliano Thiago Silva, Neymar descend très bas, vient chercher le ballon, Neymar fixé et vis-à-vis, oui, l'équipe de monde, Neymar, il entre dans l'accélérien, la passe en retrait en direction de Marquinhos en Danilo qui contrôle le ballon. Il y a en direction de Casemiro Marquinhos en Neymar, la passe de Ney, il prend le ballon dans le pied Neymar qui est trop. Et puis il revient, il y a contrôle avec Alexander et Anderson. Lucas Paqueta pour le Brésil, la passe de Paqueta, ça n'a pas marché. Ballon contrôlé par Aldo Corso, la passe en avant de Aldo Corso, déviation de la tête, contrôle de la poitrine d'Aldo Corso, ballon en dedans, déviation en retrait, la passe en avant, mais bonne lecture réalisée par Thiago Silva. Casemiro passe ballon à Fred, Lucas Paqueta, Fred, la passe en direction de Neymar, Fred, Lucas Paqueta, Casemiro par la droite, en direction de Everton et Cebolinha font passe, la déviation de Alice et Richarlison, mais défense en Pérou à suivre, ils ont dégagé ballon, ils ont ballon contrôlé à nouveau par les Brésiliens, pas pour trop longtemps, Péruvien avec Yoshima Yotun qui perd du contrôle ballon, Casemiro. Petite passe de Casemiro en direction de Fred, Neymar, Fred, passe Neymar ou pas bon.
Ballon joué par Casemiro, Casemiro Danilo, Danilo, la passe de Danilo en retrait sur Marquinhos, Marquinhos en Neymar, déviation sur Paqueta, Lucas Paqueta, Richarlison, Richard, Richarlison, Cebolinha, Everton, Everton, Everton Suarez, Cebolinha, il fait grand point, mais vous mettez la terre avec la dite de jeu boule. Il y a un dégagement bon côté péruvien, yo, brésilien, yo, bien bonheur dans le match, il prend contrôle le ballon. Casemiro, la passe en profondeur, déviation de la tête de Neymar, ballon contrôlé par Renan Lodi, plat centré, Renan Lodi, le centre, ballon contré l'aller en corner. Alors, Frick Seville, nous t'en pile, pour nous t'en ça, pour nous dire d'abord, faut Neymar veille. Ouais, sans que, les finir de mettre passe-table de ce premier temps, un joueur qui était dans le dos, il était à tomber. Deuxième fois, il a suivi, il a veillé, Ricardo Gaïk a dit, il voulait à ce que mi-temps terrain, il a empêché Neymar de jouer et une de eux. Et lorsque le Kembe ballon en tout pour récupérer le vite dans le pied, et l'équipe brésilienne, dans Kounia, nous, ouais, depuis, dans troisième minute, il mettait pied sur le ballon, hein. Contrairement avec Jean, équipé ou viennent de paraître, t'as pas le faire, c'est Brésilien qui prend contrôle le jeu là. Et on centre, ballon en l'air, dégagement, dégagement de la défense, eh oui. Ballon contrôlé par Neymar, oui, il faut son bon, Paqueta, ballon en l'air, qui est-ce qui a privé contrôlé? Même pour vous sentir concentration, pour vous sentir détermination, pour côté Brésilien, on a touche de balio. C'est vrai qu'il y a passé ballon, mais tant coup là, tout à l'heure, on voit l'action avant, côté Paqueta joué ballon. Pas qu'il n'a pas montré ma agressivité et bon nous quand nous voyons pour nous contrairement avec Péruvien eux-mêmes sous chaque ballon vous sentez que vous voulez gagner au moins présentation Péruvien alors si nous prenons le suivre pour nous rappeler que dernière fois que deux équipes s'est croisé c'était dans la phase de groupe dans la même compétition ça Brésil était gagné Pérou 4-0 alors qu'avant ça Brésil était battu Pérou 4-2 dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2022. Brésil t'a battu Pérou, mais Pérou t'a battu Brésil en 2019 en amical 1-0 aux États-Unis. Et puis, États-Unis qui sourit avec l'équipe péruvienne, puisque dans Copa 2016, là, Pérou t'a battu Brésil déjà 1-0, des troisième match de groupe. Ballon contrôlé par Danilo, arrière latéral droite, équipe Juventus là, ils font passe en direction de Fred, déviation, Neymar contrôlé, la passe sur Renan Lodi, font crochet pour aller en retrait, en direction de Thiago Silva, Fred, milieu de terre, Manchester United là, qui rentre dans l'équipe, et ça, Fred, nous songez, il faut pas qu'est-ce qu'il n'y a pas de télé. Il pourrait placer là, attention, possibilité d'ouverture du score pour les Brésiliens. On passe en retrait, la frappe. C'est bien, passe en retrait, puisqu'il connaît un joueur qui a été allé dans le goal là. C'est dommage pour Neymar, il n'est pas à l'aise pour le reprendre, passe en retrait ça de Richarlison, passe en profondeur brésilien. Il passe de Paqueta. Le dangereux en pile, il faut que Péruvien eux-mêmes, c'est vrai, APC fait un match là. Font match défensif tout par rapport avec les Brésiliens, mais il faut que VEO. Paqueta, qui méritait de titularisation en Fox, oui, par rapport avec belle entrée qu'il t'a fait, entrée remarquable et remarquée contre la sélection chilienne de football, 1-0, Gringol, là, c'est lui qui a marqué pour le Brésil. Paqueta qui profitait, suspension Gabriel Jesus et puis Roberto Firmino qui est relégué sous banc. Everton Suarez en prend place Roberto et Firmino. Et Brésil, nous capables de dire, c'est deux changements ça qui fait par rapport à 11 qui était démarré quart de finale. Le ballon joué par Christian Cueva, la passe de Christian Cueva et Sergio Peña. Sergio Peña font passe en avant, ballon carré et son l'équité ballon sorti. Ederson, c'est lui-même nous capables de dire qui est numéro 1 Brésil aujourd'hui. Hein, et puisque Brésil déjà joué avec tous les trois gardiens dans la compétition, hein, quitte Alisson, quitte Everton. Et c'est Everton qui joue plus match. Il est sous sixième match là. Ça. Et ça fait trois matchs pour Everton. Il y a deux pour Alisson et puis il y a une pour Everton. Ballon contrôlé par Thiago Silva, capitaine d'équipe là aujourd'hui. Hein, Thiago Silva écarté en direction de Marquinhos. Marquinhos, Thiago Silva. Les gagnants Fred Touprel qui m'a dit le ballon, elle préférait aller à droite en direction de Danilo, la passant de Everton Suarez qui perd du ballon, hein, Lucas Paqueta, il prend le pied Paqueta, Everton Suarez récupéré à nouveau, Suarez, la passe en retrait sur Casemiro, récupération des Péruviens, ballon sorti en touche. Péruviens qui est très agressif. Ouais, Lucas Paqueta qui portait un masque. Jean-Lucas Lapadula qui portait un masque, attaquant équipe péruvienne. Ballon contrôlé par Thiago Silva, Marquinhos et Neymar passe ballon à Lucas Paqueta, Neymar fait Fentlan, Neymar qui contrôle boule là toujours, Neymar Alanda, Casemiro, Thiago Silva,
Thiago Silva, Thiago, Thiago Silva, Thiago Silva, Brésilien très calme. Il a essayé de multiplier passe, il a passé en direction de Paqueta, passe pas bon, récupération d'un Péruvien avec Christian Cueva, il a mis des ballons en dehors. Déjà presque 10 minutes dans le match football, il est toujours 0-0 et là, on a perdu Lucas Paqueta, rété à terre, Péruvien qui vient jouer musclé. Oui, là où on sentit que Pérou pas fait, pas venu offrir une tâche facile même avec Brésilien. Équipe ça, lui même voulait vendre chèrement pour lui face avec l'équipe brésilienne. Non, s'il est vrai, c'est favori le Brésil, mais Pérou, lui voulait tout lui même faire l'histoire, je dis, contre la sélection brésilienne de football. Nous rappelons que Pérou a remporté compétition ça deux fois déjà. Il y en a d'ailleurs en 1975 et dans la demi-finale, il a été battu l'équipe brésilienne football là. Équipe Pérou ça, lui même lui a gagné. Bon, bien que c'est pas même génération, mais équipe ça nous a regardé là qui a monté en confiance. On nous rappelle que mondialiste en 2018, équipe ça qui a grandi, c'est une équipe qui a pris en maturité tout. Ils sont capables avec, même si ils ont manqué pas mal de joueurs, surtout José Baguen André Carillo. Ils ont pas gagné André Carillo aujourd'hui, mais ils sont capables de poser problème avec l'équipe brésilienne. En tout temps, ballon pour Lucas Paqueta. Faut que Séville dit en aller pour match ça qui c'est Brésil contre la sélection péruvienne. Ballon Lucas Paqueta, Neymar, Neymar essaye Kembeli, là il joue une faute là, faute sous Neymar qui les mêmes doués éviter tout Kembe trois Kembe ballon. C'est le football Neymar même c'est style ça lorsque Kembe ballon provoque adversaire yo, mais Neymar nous connaît tout qui gagne en cheville fragile. Capable donc qu'on ait une blessure tout et joueur qui a joué match important ça yo au même yo t'as pas préféré ouais, Neymar qui était match là jusqu'à présent Neymar en rappelé qu'en 2019 il n'est pas présent pour cause de blessure, il n'est pas capable de présent avec l'équipe brésilienne football là toujours dans même genre de situation ça yo là un coup franc c'est entre EO avec Copa América combien de goals coup franc ouais. Les gains en pile. Messi fait deux dans le combat. Je connais gain plusieurs, mais on dit en pile. Qui l'autre quoi? Bon, femme d'aval chercher. En tout cas. Et Neymar, gain Messi qui déjà devant, avec deux goals coup franc. Et Messi qui vient avec la compétition ça jusqu'à présent. Trois goals. Quatre goals. Et là, je gain pression. Oui, c'est ça. Quatre goals, quatre passes. Non, c'est Casemiro qui allait. Ballon repoussé. Ballon capté par Pedro Gaïssé. Pedro Gaïssé capté lui pendant que Everton t'a mis en pression. Tout le monde attendait de Neymar frappé et Casemiro met un gros bout de shoot. C'est Casemiro qui est allé en force pour aller gagner un relance ça avec Pedro Gaïssé. Il mettait ballon la tête. Neymar fait premier pressing là. Et nous rappelons même Jacques Machilia, c'est Neymar qui est en pointe pour la sélection brésilienne de football. 4 là, dans la défense là, c'est Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi et Danilo à droite. C'est même défense là qui était joué contre le Chili. Dans le gagné. Attention, bien joué la part de là qui est tacler pour contrepasse là. Thiago Silva, la fin tout là. Bien joué Thiago Silva. Et quelle aisance du joueur brésilien. Passe la fête, deux mouns dans ses Fred Hack et Casemiro dans le terrain, yo deux athées là tout contre Chili, devant, il y a deux changements, Everton Hack, Paqueta, et qui eux-mêmes joignent Richarlison non en trois mouns qui n'ont donné Neymar Junior, qui lui-même seul en pointe, toujours même genre, l'été démarre contre l'équipe chilienne, Danilo, passe en retrait de Danilo, Marquinhos, lui joué, Enrique Casemiro, Casemiro qui est tout près, Neymar, lui servi Neymar Junior, Neymar, mettez ballon devant, Neymar, bonne passe du gauche de Neymar, réception manqué de Danilo, ballon récupéré par Christian Cueva, petite passe en retrait, non, c'est récupéré, et pas, c'est pas le Brésil qui va récupérer en touche. Et Everton pour que j'aime rentrer dans le match ça. Everton pour qu'on rentre. Oui, et Everton Suarez pour qu'on rentre. Oui, tu te mettais Everton pour venir par équipe là, plus Alain offensif, mais jusqu'à présent, vous voyez Everton qui est timide. Il a pralvé Neymar, de qui on joue avec Everton, lorsque il y a un ballon, en tout cas, pour provoquer défense là. Nous rappelons qu'il a remporté Copa América 2019 là, avec le Brésil. Et en tout temps, Fred, à la récupération pour la Célestin, son bruit tenté par Neymar, il n'a pas réussi, mais il joue ballon quand même. Ah, là, c'est Richarlison qui est capable de quitter la droite pour Everton. Everton, il a droit, c'est capable de jouer sous Pieli. En fait, non, c'est un tir du gauche de Everton Suarez, mais Pedro Gaïssé s'est bien couché sous ballon. Hein, 14 minutes déjà joué. Capitaine péruvien, Lipral capable de relancer pour Blanquiroa. On a regardé
frappe ça de Everton, le Pérou qui a disputé 5 phases finales de Coupe du Monde. Et déjà, et nous rappelons que dans la première édition, il était présent et en 1930, puis beau parcours, équipe péruvienne, c'est en 1970 au Mexique, et dans la Coupe du Monde, il y a un quart de finale, c'était équipe brésilienne qui a remporté compétition ça. Après ça, 2018, dernière fois, il était participé à, nous rappelons que c'était dans le premier tour, il était campé ballon pour l'équipe brésilien de football avec Fred joue Thiago Silva, joueur de Chelsea. Attention, ballon balancé, récupération par l'équipe péruvienne, que dit monsieur Tobar, pas de faute, et Everton Suarez, bien joué, les joueurs Casemiro, bonne passe de Casemiro, déviation de Richarlison, ça n'a pas marché, intervention de Casemiro, l'effort de Everton n'a pas essayé de jouer, mais il n'est pas arrivé. Ou de ces ballons, ça qui franchit limite champ de jeu à Noué, Neymar est allé dans le mur. Alors c'est Richarlison qui était dans le mur, il retire le colis, quelle frappe de Casemiro qui gagne. Et on refait la donne. Ballon capté en deux temps par le portier. Et n'a pas parlé de Pedro Ogaïs, il prend le gain, relance ça, il y a une touche qui fait maquiner son marquage. Attention, les conjoints et en pile Christian Cueva au bal de A, le dribble de Christian Cueva, intervention de Casemiro, la touche est au profit du Brésil, Enrique Casemiro, quand Ogaïs n'est pas d'accord, Marquinhos va quitter l'exécution touche là à Danilo, le Turinois, Marquinhos le Parisien, Roberto Tobar, qui c'est un arbitre chilien de 43 ans, qui a arbitré depuis 2011. Attention, dégagement de Marquinhos contre un pressing. Péruvien, c'est très haut là. Péruvien, ou pas voulu quitter Brésil, ou à l'aise. Et c'est une rare fois que ouais, Pérou est arrivé dans 16 mètres Brésil là, mais c'est un précis. Non, c'est ça même. Et c'est un précis qui révèle Péan parce que Brésil a obligé Brésil de dégager ballon. Oui. Et là, ouais, et Péruvien a le bataille pour possession ballon. Et là, il y a une très bonne récupération. Il joue avec Christian Cueva parce qu'il fait contrer. Ballon pral sorti en touche. Et c'est pour l'équipe péruvienne que lié son intervention. Enrique Casemiro, c'est Miguel Trauco qui pral remettre ballon dans jouette. Miguel Trauco piston gauche, et puisque piston gauche dans la défense et puis il y a trois moun. Ah non, puisque à droite là c'est Corso pendant les c'est Corso qui à droite pour équipe péruvienne. C'est un contrôle qui pas bon en deux Christian Cueva. Et puis ballon ça qui allait dehors, Brésil a PC sorti, il joue à gauche, Neymar Junior, l'a peut-être provoqué deux mounes au marquage de Neymar Junior, il a dépossédé Brésilien de ballon, passe en fait en retrait, là il y a un ballon en terrain pour l'équipe péruvienne de football avec Yotun, il joue sous Ramos qui retourne le ballon sous Yoshima, Yotun, troisième buteur, équipe Pérou à contre Paraguay, non, match spectaculaire, nul, trois buts partout entre Paraguay et équipe péruvienne, mais au final, c'est Pérou qui a pas le remporté. Non, c'est un 7-0 but 4-3. Long dégagement, coup de tête, déviation. Ballon qui allait en touche, c'est pour l'équipe brésilienne, puisque Miguel Trauco n'est pas capable d'empêcher ballon sa sortie. Touche la fête, Pérou qui gagne 5 mounes lorsque l'a défendu, mais il a attaqué 2 demi-latéraux, il a monté. Evin a fait un 5 dans le terrain, ballon avec un relance de Casemiro à la recherche de Renan Lodi, Libral jeune qui tout fait en retrait pour Neymar Junior. Neymar Junior, très bonne passe en retrait de Neymar Junior. Là c'est Fred Dieu Paqueta, il y a l'autre pied gauche, il y a un tir de loin de Casemiro, repoussé et par Pedro Gaïsé. Everton au marquage, récupération de Everton, bonne passe en retrait d'Everton, les jouer Danilo Casemiro, la talonnade de Casemiro, le centre, la reprise au là, double arrêt de Pedro Gaïsé. Quel arrêt! Il y a un beau centre de Lucas Paqueta. Oui, déviation pour Paqueta, centre du doigt du milieu rodanien de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Neymar à Richarlison pas arrivé marqué. Neymar dans ce premier temps Pedro du doigt Gaïsé. Et puis Richarlison à pied gauche. Pedro Gaïsé fait un double arrêt. Dégagement ça, qui ça habite la tibaye là. Non, ballon ballon contre dans Corneille avant de sortir. Oui, ballon certainement si on avant de sortir. Sorti but pour Pedro Gaïsé qui a les pneus en coup de boule tout.
Deuxième, est-ce que pas premier, il y a un ballon dans le visage? C'est deuxième ballon frappé dans le visage. C'est deuxième, non? Et nous avons une réaction. Hein? Mais Pedro Gaï s'est fait un gros tonton action là et pour empêcher l'équipe de prendre un goal. Oui, c'est vraiment intéressant. Ça a une sorte de la double arrêt. Déjà, et action qui pral mener tout ça, c'est premier tir. Casemiro. Oui, hein? Casemiro jusqu'à présent joue un bon match. Et ça fait deuxième gros shoot Casemiro dans le match. Et si nous songeons sur un coup franc, il était obligé Pedro Gaï de repousser le ballon et puis pour le capter en deux temps. Et là, c'est un gros frappe de Casemiro encore qui oblige Casemiro à faire une belle parade. Qui menait toute action sa ballon vient jouer Everton Suarez qui font un petit passe en retrait, un bon talonnade de Casemiro, mes shoot, mes premiers shoots là. Ça c'est le premier shoot Casemiro. Et puis vous gars ici. Mes talonnade et Casemiro pour Lucas Paqueta, le sang. Et reprise Neymar. C'est pas Neymar là. Oui. C'est pas Neymar là qui prend un visage. Il y a beaucoup de temps. Ok, nous ouais. Tite. Tite tape tant de goal. Ouais, non, vous pouvez tout ce qu'on a. Oui, déjà Leonardo Bachi, qui lui-même a remporté Copa Libertadores là en 2012 avec Corinthians. Et Corinthians a gagné double confrontation, équipe Boca Juniors là, et puis il a gagné tout. Coupe du monde des clubs en 2012 avec Corinthians. C'était contre Chelsea, après que Chelsea a fini remporter Ligue des Champions en 2012 contre Bayern Munich, qui n'a pas le point de revanche en 2013, l'année d'après. Quelques réactions de joueurs. Là, c'est capitaine péruvien Franck Saint-Ville qui souhaite faire double arrêt, qui a poursuivi son tout à Técampé pendant 6 ans. C'est 47e édition Copa América. Brésil remporté 9 fois déjà, Pérou 2 fois. Pérou qui perd une seule finale dans en Copa América. C'était qui, en 2019, face à Brésil même. Certainement. En 2019, il était dans le même groupe. Brésil était écrasé Pérou 5 à 0. Oui, et oui, puis oui. Dans la finale, il a croisé encore Brésil, était bat Pérou 3-1. Et là, il était dans le même groupe, Brésil bat Pérou 4 à 0. Et pour le match de demi-finale, c'est 0 à 0 après 22 minutes et 58% de balle pour la CDSA. Et 22e minute, 0 à gauche, 0 à droite, ballon contrôlé par l'équipe péruvienne qui font passer en avant, ballon en sortie en touche, touche pour les Péruviens. Avec un Miguel Trauco qui prend le mettre ballon dans le jeu. Miguel Trauco, et n'a pas là avec 206 là. Il prend exécuter rentrer de touche là pour les Péruviens. Ils mettent ballon avant, dégagement de la tête. Ballon contrôlé par les Brésiliens. Est-ce qu'il y a faute à l'arbitrage du jeu de football? La passe et là, il y a une faute. Neymar fait faute. Coup franc pour le Pérou. Et il y a un Péruvien qui était à terre là. C'est Renato Tapia. Renato Tapia qui a joué dans l'équipe Celta Vigo en Espagne. Renato Tapia, c'est les mêmes qui sont subis faute ça là. Oui, c'est un très bon milieu de terrain. Oui. Bon manieur de balle, qui est capable de virer l'équipe. Renato Tapia, bon média défensif. Et chez Péruvien, qui peut balancer le ballon. Hein, une façon pour mettre l'équipe Brésil là en difficulté. Ils ont balancé là dans la surface de réparation, ils ont dégagement des Brésiliens, ils ont frappé qui pral venir la frappe, ballon contre ils sortent en corner. Malgré fort Everton, Ederson, c'est vrai, c'est l'encore un joueur péruvien. C'est pareil, c'est Ramos. Et ballon contre Ramos, Christian Ramos. Et ballon joue très rapide par les Brésiliens. Ballon sorti en plus. Touche pour les Brésiliens. Et Paul dit que les Péruviens qui muscle les jeunes en ville. Certainement, ils connaissent un match physique avec les Brésiliens. Ils sont capables de connaître. Et jouer un très bon résultat. Et surtout Neymar, surtout lorsque Neymar a le ballon, il a agressé la ville. Oula, quelle déviation de Lucas Paqueta. Non, il a seul match sur ballon, il y a une mauvaise passe de défense, non. Il faut que c'est vite Neymar Junior. Non, 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 non. Non, mais j'entends tout. C'est ça Neymar fait. Hein. C'est un bel geste technique de faire passer là pour Renan Lodi. Mais là. Après, c'est Neymar qui déballe Renan Lodi après donc. La bien tout lui-même. Mais là, il faut que c'est vite, le galgadé. Qui ça Neymar obligé de faire ça là. Mais c'est plus sécurité dans le jeu là. Oui, mais c'est nous reprocher ça, il manque sérieux dans le niveau ça dans la demi-finale. Il faut jouer à concentration. C'est important. Et c'est superstar équipe là qui doit décider. Oui, bon, le plus souvent c'est où il y a tant. Tout le monde a pris une bagaille de Neymar au pour remporter. Tout le monde qui l'a eu, il a remporté conviction déjà. Sauf Neymar. Avec
et c'est lui qui même comme superstar de la qui a remporté la chronologie. Pour remporter le tour 19. Ballon joué par les Brésiliens, Fred qui contrôle le ballon. Il mettait Fred à terre, il passe en avant. Gianluca Lapadula n'a pas eu de contrôler. Ballon sorti en touche. Touche pour les Brésiliens. Rentrée de touche là pour le faire très rapide. Il fait une déviation de la tête. Thiago Silva pour Renan Lodi, Maquinhos, Maqui, Casemiro. La passe en direction de Neymar. Neymar qui donne pour Fred. Fred font passe en direction de Richarlison. Gardien sorti. Richarlison écarté. Le centre. Danger pour le Pérou. Danger a toujours là. La frappe. Ballon complété. 4 points de la défense. Il y a deux mouns à terre. Et que dit la bisque. Amens. Ah non, ici, où est-ce que passe là? Mais passe là, il y a une belle passe en profondeur. Et en direction de Richarlison. Qui prolonge. Oui. Contrôle Richarlison dans l'île trop long. Là, c'est Neymar fait faute. Abissant, elle a été deux by faute contre Neymar. Balle. En où est-ce que passe là? Dans Tapia. Ouais, puis vient yo entouré monsieur Toubal qui c'est yo arbitre qui s'appelle vient à prendre nous vraiment parce qu'on charge de Neymar. Alors ballon va s'orienter en parfait état et là Neymar avec Callens. Est-ce que pas de bon jeu de Melato? Non. On va le remettre le ballon. Et ouais, Casemiro, il m'a dit habite la sac passé, habite la dit non, pas final. Et puis ouais, mais il est au fait back. Mais il est au fait back eux-mêmes en tout temps. Et Alexandre Callens. Oui, Alexandre Callens. Qui est touché. Oui. Qui part Arcus Callens. Arcus Callens, voilà, Arcus Callens qui a bien joué depuis toutes les semaines nationales là demain. Il était présent lors de victoires 6 buts à 1 de la sélection haïtienne face à l'équipe des îles Vierges américaines. Ah pardon, les Saint-Vincent et Grenadines. Les Saint-Vincent et Grenadins. Habite la rue brésilien le ballon. Voilà. Et ballon contrôlé par Danilo pour le Brésil. Maquinhos, Thiago Silva remettre Maquinhos ballon. Maquinhos passe à Fred Maqui. Maquinhos, Casemiro, la passe en profondeur de Casemiro, la chercher Cebolinha, oui, Cebolinha, et Veton, et Cebolinha, le centre de Cebolinha, un dégagement de la défense péruvienne, Renan Lodi, et c'est Fred pour la Seleção, Renan Lodi tente de faire grand point, mais bon retour, et de Aldo Colso, ballon joué par. Et Sergio Peña qui intelligemment contre le ballon et sous le brésilien et ballon sorti dehors. C'est pour une remise en jeu pour les Péruviens. Péruviens qui ont cherché un troisième titre dans le championnat, dans la Copa América. Les Brésiliens ont cherché un dixième titre. Recordement dans la compétition, c'est Uruguay qui a gagné 15 trophées. Argentine a gagné 14 trophées. Le Brésil a gagné 9. On relance qui peut aller à deux. Paraguay gagne 2, Pérou gagne 2, Chili gagne 2, Colombie gagne 1. C'est deux équipes qui sont pour le championnat. Équateur avec Venezuela. C'est seulement Équateur et Venezuela. Il y a un ballon en l'air, ballon dévié par Neymar, la passe. Il avait essayé de chercher Richarlison devant, dégagement de la défense péruvienne. Il y a un coup de tête, Neymar tenté de contrôler, dégagement des Péruviens. Ballon quoi jouer Ederson. Il passe le ballon à Baki, Maquinhos, Thiago Silva, ballon au pied, Thiago Silva, il va à la droite, c'est ça le fait en direction de Danilo, la passe en profondeur de Danilo, la chercher Cebolinha, Yokem de Cebolinha, va habiter à 10 joueurs de football. Christian Ramos, la passe de Christian Ramos, les Santa Maria tapent essayer de contrôler, mais ballon sorti en touche pour les Brésiliens, ils ont fait très rapide.
avec Casemiro et Thiago Silva, Marquinhos, les écartés dans la direction de Fred, Neymar dans le coin Mandel, c'est Renan Lodi à la retraite, et sur Marquinhos, la passe de Marquis en direction de Casemiro, Marquinhos, Neymar, quelle déviation sur Casemiro, la talonnade, et sur Neymar, mais et Péruvien au récupéré. Ballon joué par les Péruviens avec Renato Tapia qui essaie de renverser le jouet là. Il y a une mauvaise passe. Et Péruviens ont bien pile difficulté pour enchaîner passe dans le match. Si les vrais devant un groupe capable de produire, il y a PC font un match intéressant sur le plan défensif. Mais combat qui a passé là tout. Défense ça que Gaïk a montré les campés là qui n'avaient pas été sérieux, qui n'avaient pas été solide. Vous voyez, je ne défends pas, je ne défends ça souvent. Nous jouons deux défenseurs souvent et s'il y a besoin de Franck Serville et nous n'avons pas qu'à attaquer, pendant ce temps où paraît ou montrer qu'on vient pour un match défensif et puis il y a besoin de parce que le match ça il paraît compliqué pour équiper ou bien non. Pendant combien de temps encore, Pérou a pas résisté face au Brésil sans qu'il va prendre goal. Là il y a une faute et c'est Bolinha et Veton qui commet faute là. Et coup franc pour les Pérouviens qui prennent mettre le ballon en avant. Mais on a regardé côté et c'était Miguel Trauco qui était en lutte avec Everton. Et c'est Miguel Trauco qui bénéficiait du ballon. C'est Pralan, une remise en jeu avec Pedro Gaïssé pour les Péruviens. Pedro Gaïssé, il mettait le ballon nettement en avant. Un long ballon en avant de Pedro Gaïssé. Déviation de la tête de Gianluca Lapadula, Marquinhos, Danilo qui prend le temps de dégager ballon, dégagement de Danilo, ballon en l'air, une déviation de Lucas Paqueta et Pérou reprend, il y a un duel aérien pour possession ballon là, Marquinhos qui met le ballon en touche pour le Pérou. Et Pedro et Ricardo Garca, et sélectionné l'équipe chilienne, les péruviennes, pardon, et que nous avons là, et Christian Cueva soutient pour nous. Christian Cueva qui a accompagné Gianluca Lapadula, ma pointe d'attaque équipe Péroua. Donc il touche avec Miguel Trauco, déviation. Miguel Trauco centré, ballon contré, il sorti en touche. Donc premier corner pour Pérou. Attention. Premier comme côté fouille. Ederson a demandé monsieur Vio qui solide, vous êtes serein, vous êtes réactif. Tu es motivé, nous allons suivre, qui ça connaît ça va le bail. Déjà la 32e minute de jeu, le Brésil remporte la compétition ça à chaque fois les organiser. Attention avec Yoshima Yotun. Gianluca Lapadula dans la surface réparation. Attention, ballon soulevé, écarté par Casemiro. Le rebond pour les Péruviens. Et on passe en retrait. Le ballon qui a récupéré. Et qui a joindre Kounia Gaïssé. Loin de ses bases, la relance de Pedro. Et Gaïssé, intervention de la tête du solide et Casemiro. C'est Thiago Silva qui vient faire intervention ça. Ballon pour la sélection péruvienne. À droite, il va jouer. Et toujours pour l'équipe péruvienne avec Peña qui est déjà ma Congol dans la compétition. Là, Christian Cueva essaye à le tenter dribble. Récupéré par Casemiro. C'est pas équipé avec le jeune ballon. Hein, mais lui fait une bonne passe pour Neymar Junior. C'était plutôt à Richarlison. Non. Richarlison dans trop moi. Alors Richarlison avec Neymar, monsieur, il a design cheveux, il est en jaune dans la tête. Il a des cheveux même couleur. Et s'il est vrai, Richarlison semble faire une retouche lui-même, dans pas là. Remarque Neymar Junior. Entre temps, il y a un relance avec Pedro Gaïssé. Pérou, nous avons 5-4-1 là. Un petit. Il a essayé de balancer là. Et intervention. Non, l'équipe brésilienne n'a pas été récupérée. Ballon au milieu du terrain. Contrôlé par Tapia. Mauvaise passe. Là c'est Fred. Regardez, on passe en profondeur de Fred. Déviation Neymar va marcher. La récupération de la Blanquioa. Passe en fait à droite. Oui, une cassure APC organisée là. Ils ont en relance. Et non. Ballon sorti en touche. Je peux ou pas capable. Le match a vraiment pas intéressant. Match vraiment pas intéressant. Pour Neymar, là, quelle passe pour Lucas Paqueta, le bras loué. Danilo qui a passé à droite. Il s'est vu Danilo qui remet là, le mettait la laisse. Paqueta de la profondeur. Il a cherché Neymar Junior. Ça va marcher.
c'est Lucas Paqueta qui pour mettre sous ballon. Rizy elle met pile sous ballon et puis ça m'a fait mouvement devant. Et tout le temps c'est Neymar qui a venu chercher le ballon derrière, là toujours difficile pour Brésil de faire gol. Et là on a regardé Gabriel Jesus qui était expulsé dans le match contre l'équipe. Pour une faute stupide. Oui, et dans le match contre Chili, chilienne. Et pour une faute stupide, Gabriel Jesus noué. Et qui est présent, mais qui n'a pas et défend que l'équipe brésilienne. Avec Livin pour tes soutiens moral les trois qui équipe là. Là c'est Neymar Junior, Nayon 2 contre 3. Neymar, il va chercher sous ballon. Neymar, contre favor, Neymar. Imagine on est Gabaqueta. Lucas Paqueta sur au service de Neymar Junior et troisième passe décisive de Neymar dans compétition 1-0 pour le Brésil après 35 minutes. De combien de temps? Est-ce que Neymar va c'est toujours jeune de défense là. Neymar pas en jeu. Neymar allé là, monsieur Ote passif. Neymar arrivé jeune ballon et Lucas Paqueta dans le temps deux péruviens. Et Neymar qui très collé. Très collé sous action. Sous Callens, Ramos Vini, là, aidé par Alexander Callens pour réussir Dribsa. Neymar qui était en réussite sous Dribsa. Et Lucas Paqueta avec pied gauche. Et bien tapé ballon ça. Il y a un classement pour mettre l'angle là. Et malgré Neymar marché sous ballon, elle perd du contrôle lui mais. Callens pas arrivé et récupérer lui. Ça fait deuxième goal Paqueta. Deuxième goal Lucas Paqueta en deux matchs. Côté dernier Brésil marqué dans la compétition. C'est Lucas Paqueta 217, milieu de terrain Olympique Lyonnais, ancien de l'AC Milan. 1-0 pour le Brésil qui pour le moment gagne un pied en demi. En pourtant, on a salué Guy Petit Frère, c'est vrai à distance. Ah, mais il est toujours avec nous. Qui petit frère qui a plaidé demain et en tout temps ballon balancé demain surtout France c'est prêt à la demi-finale Euro 2020 Italie Espagne bel match Italie Espagne mais France okay. Songez finale championnat de 2012 c'est ça Balotelli était crié en pile 0 avec Frances Fabregas n'ayant 4-6-0 pour l'Espagne c'est pas plus son avant 7 points et avant 7 types. Et puis c'est fini. À l'Espagne, t'as joué même Jean-Barcelone, mon avis, David Villa, t'es dans l'équipe là, il faut que je passe là encore. Et laisse à Barcelone lui-même. Il y a quelques fois, on fait, alors les Fabregas, t'es dans l'équipe ça. Les Fabregas jouent à pointe carrément. Et pour les Fabregas, Messi, Iniesta, des fois c'est Pedro, et l'équipe là, qu'on joue sans ouvrir ta bouche. Certainement, en parlant de Messi, de Villa, Franck Saint-Saint-Ville, hier, équipe ça. Et alors, on dit que l'équipe qui était MVP là-dedans, MVP à Messi via Pedro, il a été remporté et Ligue des Champions en 2011, il a eu un télescopage. En 2011, il a été remporté Ligue des Champions contre Manchester United. Oui, là, ça a Messi fait un gol. Non, victoire. Non, c'était ça. C'est le deuxième match là. Deuxième c'était match. Le premier à Messi fait un gol. Oui, oui, voilà. Côté Messi était défié et pesanteur là. Pour te marquer gol ça. Et peut-être qu'il contre Miguel Trauco, Marquinhos. C'est Paqueta. Paqueta. C'est Paqueta. Paqueta, c'est lui-même qui marque gol. Et c'est lui-même qui marque gol et match à jusqu'à capable. Est-ce que Paqueta va être capable de continuer à poursuivre soin. Oui, une petite équipe ça qui était Manchester United 3-1, équipe Barcelone ça, qui était gagné Victor Valdez dans le goal, qui était gagné, alors c'est 11 ans, qui était gagné dans 11 de finale là, c'était piqué. Et puis elle était entrée dans le match, c'était gagné Gérard Piquet Macherano. Et puis à gauche, tu as gagné Eric Abidal. Ouais, et puis avec Alves était à droite. Tu as gagné Busquets, c'est un trio magique là. Busquets, Xavi, Iniesta. Il m'a pas rejoué. Non, c'est Callens qui est tiré. Ok, là les vivites. Ouais, vivites. Et passez moi. Et puis, tu es gagné devant Messi via Pedro. Chaque t'es fait un gol. Oui. Et chaque fait un gol. Pedro ouvre le score. Messi fait deuxième goal là et puis via fait troisième là. Alors ce que pour Manchester United, c'était Wayne Rooney. Donc nous t'as parlé de l'équipe ça qui t'a dirigé par Pep Guardiola qui t'a remporté deuxième Ligue des Champions tour en trois éditions. Alors sur 2009 il était prêt, les autres fait un sextuple là. Mm-hmm. Et puis 2011 les autres pas remporté coupe là puisque c'est Real Madrid qui t'a remporté lui.
Il va remporter coupe là. Voilà, Samba. Et il m'a aussi protégé là. Donc il y a Rio Fort, c'est Bastion Carnaval. Oui, il y a Rio, Rio c'est là. Il y a ambiance. Il y a ambiance, même si dernier temps ça a gagné, c'est manifestation tout, contre le président, on connaît. Jair Bolsonaro. Mais là, c'est à Rio, c'est dans un stade olympique Nilton Santos, ancien grand latéral gauche brésilien, champion du monde, légende brésilienne, Yon Fortuné Ima Junior. Brésilien était surnommé monsieur l'encyclopédie. Si on a quitté tellement connaît les potés dans le football là, que ce soit avec Pieli et ça avec ça, il y a comme connaissance. Il était révolutionné et pour ça, pour ça arrière gauche là. Et Nilton Santos, c'est baptisé Nilton Santos, il était gagné un petit nom. Ingénieur. En Brésil, Brésil c'est un pays qui produit un pile en pile latéral. Pour n'y avoir pas portion qui a baissé. Ouais, zone, bon, l'arrière latéral dans le Brésil même. Presque chaque génération, presque chaque décennie, on est capable même compter plusieurs. Oui, mais pour le moment, et Brésil vraiment pas produit latéral. On regarde des joueurs moyens comme Danilo, ou un cap titulaire, cap mettre poste dans le Brésil. C'est vrai, il y a un sens tactique, mais ce n'est pas qualité latérale. Il est capable de danger là, même s'il y a 2 contre 6. Équipe péruvienne là, c'est 7 même. Le retour de Everton qui mettait ballon ça en tout. C'est Demito Ronaldo qui était prêt à vous détourner. Les conseils de touche là, c'est Pral Yon remise en jeu au profit de l'équipe péruvienne de football qui a cherché un titre de champion de la Copa América depuis très longtemps que le pas capable de retrouver. C'était en 1975. C'était en 1975 qui a été remporté. Et un an après Haïti est sorti dans la Coupe du Monde. L'équipe péruvienne ça. Et en tout temps, capable de danger là. Attention, Ronaldo dit qu'il conseille des corner là. Ballon contre le pied. C'est un ballon contre le pied. Il lance la fête rapide. Neymar part en jeu à ses barrières, défense à dégager. Il va être convoité ballon, il va jouer, il va pas être arrivé. Là, il a fait pressing là, sous Danilo. C'est pas jouer ballon, mais le jeune touche là, puisque Danilo concède l'intervention de Marquinhos. Le sens tactique de Marquinhos, le sens de l'anticipation de Marquinhos, Ligue 1, bon côté tout, il y a un maître qui est dans l'anticipation, Thiago Silva, et Metorli, dans Paris Saint-Germain, nous rappeler, et comment M. Saoté, et donc Antonio à merveille, il continue de lancer les Saoua, et la relance, ballon est contré, Cipral, il y a une touche pour le Brésil, 42 minutes à jouer là, 3 minutes séparées, nos deux fins. Première partie, c'est toujours un pour Brésil et 0 pour l'équipe qui vient là. Et c'est Paqueta qui marque le gol ça. Un pour Brésil, 0 pour 0 pour Pérou. Et là, il y a encore une faute. Et c'est Ronaldo Di et Askil Paye qui était sous pelouse là. Et Ronaldo Di qui souhaite remporter le championnat d'Espagne là avec l'équipe Atlético Madrid là. Ronaldo Di, c'est lui-même qui occupe le couloir gauche, équipe brésilienne. Là. Ballon joué par Fred, la passe en avant de Fred, déviation de Neymar sur Casemiro. Casemiro, Everton, Cebolinha, Cebolinha Gayel, Cebolinha a tenté de dribbler, il prend le ballon en avion Suarez. Everton Suarez. Le ballon contrôlé par les Péruviens, la passe sur Renato Tapia, Renato Tapia, Renato Tapia viré, oui, Renato Tapia perd le ballon, Lucas Paqueta, il faut passer pour Neymar maintenant. Et parce qu'il n'a pas vraiment gagné précision. Il a mettre les deux. Mais c'est simple. Lucas Paqueta à 90. C'est lui qui m'a donné Iba. Oui, Lucas Paqueta, il est même capable. Mais pas qu'à bon passe là. Oui, parce ça, c'est pas passe pour. Bon, c'est vrai, par contre, n'est pas qu'il a comme un grand meneur de jeu. Ok, c'est un joueur capable de vivre qui dit. Mais c'est pas non. Le niveau de conseil de c'est pas Ronaldinho, c'est pas Riquelme, c'est pas Mesut Ozil. On a voulu ça dans la sélection là, mais c'est que les Everton Ribeiro qui va faire mieux. Mais les baguettes
toute confiance que Paqueta gagne de TPI. Paqueta, certainement, c'est une grosse saison de Lucas Paqueta. En tout temps, les joueurs qui reviennent à l'échauffement. Et je pense que c'est entre Paqueta dans le match contre Chilia. Oui, nous avons dit ça, je me rappelle que nous avons dit ça dans le match équipe chilienne. Et puis il a besoin de monde pour te permettre Neymar de souffler. Neymar a quitté le ballon, il y a monde qui est capable de porter le danger à Vini et qui a mis le ballon dans le terrain. Et ce que Paqueta a fait bien. Et ils ont eu deux avec Neymar tout, parce que Paqueta est très technique. C'est un joueur qui est collectif en ville. Et donc il a fait une deux avec Neymar et puis qui t'a mené un goal ça. Ballon contrôlé par Danilo, Danilo Kembel, Danilo Ablan retrait en direction de Marquinhos, les faux passes en direction de Lucas Paqueta, Danilo Alandan en direction de Casemiro, la passe de Casemiro en profondeur, bonne lecture réalisée par la défense péruvienne. Ballon joué par les Péruviens, mais Brésilien yo, avec Thiago Silva et Rinaldo Di, Marquinhos, Lucas Paqueta, Fred, qui contrôle le ballon, Fred, Lucas Paqueta avait demandé 5 minutes additionnelles. Ballon joué par Danilo, la passe déviation de Neymar, Lucas Paqueta, Neymar. Oui, quel geste technique réalisé par Lucas Paqueta et Neymar, la déviation, mais dégagement de la défense des Péruviennes. Ballon qui prend le sortir. Tu as peut-être remettre Neymar ballon, mais il était précipité et passant où l'être ça. Les fêtes, Ronaldo dit qu'il était dehors, il était capable de tout dévier le Ronaldo dit. Si tu es absurde avec un peu l'attention, livré à toute l'équipe qui a fait le club, Lucas Paqueta, là, c'est cru brésilien avec le football. Et Lucas Paqueta, nous, qui entendons très bien, Neymar. Certainement. Ils ont tous les deux cas joué en une touche de balle. Ballon contrôlé par Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, et Casemiro dans One Centland. Il va jouer long, il fait un passe à ras de sol pour Neymar Junior, aller à droite sur Danilo, Everton, Neymar, pourquoi il perd du ballon, oui, Neymar, il manque de concentration, il perd du ballon, ballon joué par les Péruviens, il contrôle le ballon avec Yoshima Yotun. Et renversement de jeu, ballon par contrôlé par Sergio Peña, ça a lancé et Aldo Colso, Sergio Peña, ballon joué par Renato Tapia, Aldo Colso et Cristian Ramos, Cristian, il faut passer en direction de Santa Maria, ballon joué par Miguel Trauco, la passe en avant de Miguel Trauco, ballon joué par Cristian Cueva, la passe en retrait de l'aviation, on passe à droite. Aldo Colso, Léo Bijal en retrait, et Christian Cueva, Aldo Colso mandé le ballon, il remet Aldo Colso, mais bon retour de Renan Lodi, ballon récupéré par les Brésiliens, pas pour trop longtemps. La 47e minute de jeu, un pour Brésil, était 3 minutes. 0 pour l'équipe péruvienne. Oui, là, il a été 5 minutes additionnelles. Oui, il a été 5 minutes, il était 3. Que Péruvien qui se font qu'un ballon là qui était intéressant, ils ont multiplié les passes, et surtout dans moitié terrain équipe brésilienne dans la zone de vérité, mais lorsque vous vivez vraiment dans la zone côté de ce là, zone de vérité, ils n'ont pas capable de finir l'action. Et avec même un tir sous Ederson, Suarez, Ederson, Moaes, pardon, et la Fox Saint-Ville, Franck Saint-Ville. Donc il y a une touche, un ballon qui allait dehors, Roberto Tobar, gagné, il y a un Brésilien à terre encore lui, Lucas Paqueta, qui s'est arrivé avec Lucas Paqueta, qui est capable de lever. Entre temps, Casemiro, en conversation avec le directeur de GA. Ils ont mauvais contrôle de Paqueta et Paqueta c'est pour continuer de tomber. Alors pas même tomber, c'est Paqueta qui décide de coucher. Est-ce que c'est compliqué? Plus compliqué que ça pour
Lucas Paqueta qui sacrifie vraiment avec Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Ok, Asibas c'était au niveau visuel, c'était dans Zuli. Réaction du sélectionneur. Donc au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous-mêmes nous gagnons façon que nous remercions tous les sponsors nous. Et comme on a fait depuis quelques temps dans la deuxième et tour compétition, surtout la Copa América, nous déjà gagné collaborateur nous, Grégory Fafa qui est avec nous. Grégory Fafa en attendant que le mi-temps fini, ou bien lecture, puisque tu as suivi Matia quand même. Oui, oui, équipe de Zilio. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors, je vais venir ici. Et un premier après moi qui pratiquement dominé de bout à bout par l'équipe de Gilles Gomme et qui vivait marqué dans le deuxième, Métès Malabès Atacao, que Joanne Imar ou encore Richard Gisson, nous étaient capables de mener aisément 2 ou 3 buts de quart. Mais le Pérou était bon plan, il y a eu Jacques 5 buts à 1. Le Pérou qui a essayé contre le Brésil, attention, c'est une attaque brésilienne. Et attaque coupée, mais rapidement, Neymar reprend le ballon. Quelle passe de Neymar, il va être en abri pour le centrer. Centré de haut, coup de tête. Le Ronaldo dit ballon passé à côté. C'est une véritable attaque de défense. Hein? Ah oui, bon, certainement, il fait une très belle lecture là. Et Gogo Papa, ça, c'est une véritable attaque contre défense que n'a pas assisté là, entre les Brésiliens et les Péruviens. Ricardo Gareca a essayé dans cette minute terrain, il mettait un peu de monde, il mettait jusqu'à 5 monde pour et tout essayer de presser au Brésilien lorsque il a élaboré. Mais technicité équipe brésilienne ça avec Lucas Paqueta dans le milieu de terrain Fred et puis Neymar qui paraît devant, il vient aider. Donc on pas même senti Casemiro, Casemiro n'est pas trop qu'il tout, il fait bon parce qu'il attend, il est bien remettre ballon, ça qui permet à ce que l'équipe brésilienne jusqu'à présent n'a pas contrôlé match si là. C'est un goal à 0 pour la Seleção, goal que Lucas Paqueta lui-même marqué. Alors nous dit à chaque mi-temps, nous gagnons façon que nous. Même nous remercier tous les sponsors nouveaux pour la compétition ça, Copa América et pour Euroato, Copa América qui démarre depuis 13 juin et nous la 5 juillet, n'a continué toujours arriver samedi 10 juillet pour la Copa América. Grégory Fafa avec nous là, on peut voir comment nous pourrons remercier les sponsors nouveaux, mais nous avons été avec nous, puisque Grégory Fafa nous a mis en pause là et match là et nous gagnons place pour sponsors. Oui, c'est comme ça, nous toujours fait depuis quelques temps, puisque sponsor là, c'est un bagage important. Il faut qu'on traite avec beaucoup d'importance. Et c'est une raison que fait en tant que membre section marketing là, à chaque mi-temps de match à Copa América ou bien dans EOA, nous venons pour nous remercier les partenaires nous, qui permettent que jusque-là, nous existions dans le cadre de grosses compétitions, ça, qui c'est l'Euro et la Copa América. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous remercions Chaco Essa qui portait pour nous Duri Chaco. Nous connaissons Duri Chaco, c'est la trilogie, c'est pratiquement qualité, quantité. Tandis que définitivement, oui, de pour parler de Duri en Haïti, Duri Chaco, c'est référence là depuis un bon bout de temps. Nous avons également Accordia Shipping qui c'est pratiquement la meilleure façon, façon qui est plus fiable pour vos machines et conteneurs en Haïti, dans quel que soit l'État ou aux États-Unis, eh bien, faites confiance à Accordia Shipping. Accordia Shipping, c'est the best. We run with quality. Japon Autopart, maman Pemba, pas de discussion là-dedans. Depuis 25 ans, Japon a pompé pièces originales pour toute machine. Japon Chitacol dans 235 rue du magasin de l'État, dans 249 dans l'angle magasin de l'État. Et rue Saint-Honoré, pas de ni Japon, ni Japonais, ni Japing, son seul Japon Autopart qui gagne. Chitacol dans rue Saint-Honoré et rue magasin de l'État 249 et dans 235 rue du magasin de l'État. Nous gagnons dîner pas et depuis quelques temps, quand il y a bon service de dîner pas, mandez-nous pour nous pratiquement faire en sorte que nous protéger le réseau de dîner pas, de sorte que nous-mêmes nous avons plus bon service en retour. Et compétition ça, c'est également l'affaire de Verdun Bar Restaurant Hotel. Verdun Bar Restaurant Hotel, qui est à Colna Delma 19, numéro 3, gon piscine 24 sur 24. Là, en dans Verdun, ou par contre côtoyer, c'est pratiquement c'est un paradis, c'est une merveille de restaurant dansant.
Nous avons également BNC, qui est un partenaire de choix, nous. C'est l'expérience au service de toutes les générations. Au passage, nous saluons Hilario Terville, qui s'est pratiquement employé BNC 32, qui toujours branché télévision nationale et à chaque instant qui toujours avoué TSMS Banon. On a qui gagne un carrière de service pour clients Lyon, on a PAM, on a diaspora, on a police qui a venu en aide à la police. Et non, nous pas fini sans nous pas saluer des inconditionnels comme Maître Philippe, nous gagne également Maître Innocent et Clifford Basler, sans oublier Maître Jean Chenier Gourdet ainsi que l'ingénieur Antoine Laure. Nous avons une demi-finale. Oui. Est-ce que la porte l'a fermé pour sponsor? Non, porte l'a pas fermé. Ah. Porte l'a pas fermé. Nous avons deux nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qui est important, si on si monte dans les mains, nous faisons pour Jean, on a fait là pour l'autre sponsor. Nous sommes capables de taper dans 37, 44, 58, 18 ou encore 32, 73, 20, 55. Alors, écris ou bien taper sur deux numéros ça et puis, on a bon service. Alors, ou même que tu as suivi, vous tendez, ou elle tout. Eh bien, merci Grégory Vafa. Merci Dieudonné Sibian. Alors, un prochain match, puisque ça finit. Très bien. Kounia, nous allons suivre le message commanditaire nous avant même que nous tournions pour la deuxième période. Là. Vous êtes avec. Mais une bonne nouvelle, Franck Saint-Ville, pour toute fanatique Brésil qui a regardé le match ça là, jeudi. Fanatique Brésil, tant que Jonathan Delus, fanatique Brésil, tant que Lynch Dieudonné. Et en plus, fanatique Brésil qui a suivi le match ça jeudi à France. Depuis 1979, Copa América, en Copa América, Brésil était mené sous Bolivie 1-0, le perdu 2-1. Depuis le ça, tout match Brésil joué dans Copa América, les marqués avant, les gagnent. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et nous connaissons la supériorité de l'équipe brésilienne là, par rapport à l'équipe sud-américaine. Il n'a pas perdu. Tout match il marque avant, il n'a pas perdu. Il fait 9 matchs là-dedans. Voilà. Et la deux équipes et Steven, il y a déjà repris place et sous pelouse stade Milton Santos là. Et là habite et Chilien hein, déjà prend position et pour libérer 11 Péruviens et 11 Brésiliens et pour deuxième partie et match football là. Et Brésil a peiné par Yogo Lazero, goal qui était inscrit par Lucas Paquita. Après, on passe à deux Neymar et c'est déjà parti. Deuxième période là, l'inlancé, c'est Brésilien avec Neymar Junior qui a même engagé une faute déjà sous Everton en Suarez. Là, c'est Tite qui lui-même à l'écran, sélectionneur brésilien de 60 ans, touche alors une faute avec Henrique Casemiro. C'est plutôt Marquinhos qui exécutait une faute là, Marcos. Et Aouas Correa, ballon pour l'équipe péruvienne, récupéré par Casemiro, dégagement contré, attention, qui ça Péruvien a porté dans la deuxième période, là, Miguel Trauco, Lissosi, Gagnon Lopez qui entré dans place li, et pour côté Pérou. Donc ça montre que Yovinakion, l'autre détermination. Ambition dans la deuxième période. Oui, Marcos Johan Lopez qui remplaçait Miguel Trauco qui t'a joué comme demi-latéral gauche, il passe en retrait et là nous, ouais, c'est pratiquement une défense plate, une défense à 4 pour les Péruviens. Par contre, si vous remarquez, Foxéville, il passe à gauche pour l'équipe péruvienne de football avec le nouvel entrant, Johan Lopez. Johan Lopez déjà, alors Gojabé, Johan Lopez, contrôle de Christian Kova, il quitte la gauche, le centre à Vini, non, il tourne le ballon en deux terrain, équipe péruvienne ABC organisée là avec Aldo Corso, il fait passe là à gauche. Le centre coup de tête de Nalodier, il y a une faute sur Thiago Silva. Une faute de Gianluca Lavadula et ouais et Péruvien yo. Et recommencer match à qui ont l'autre envie. Ouais, une belle séquence là. Ils ont commencé à jouer action en début derrière. Ouais, ils ont fait ballon en circuler pour juste faire attaque ça là. Ils ont centré et puis Boussila de Gianluca Lapadula au départ de Thiago Silva. Et Péruvien, ouais, et qui a fait un pressing très haut là jusqu'à présent. Je connais, il faut qu'ils marquent bonheur pour mettre pression sur l'équipe brésilienne. Non, je veux une égalisation, on sait qu'on va prendre un deuxième, faire ouvrir tout notre pressing ça, qu'il a fait et Brésilien qui. Il y a même des grands techniciens qui sont capables de sortir le ballon au pied et à le météo
vraiment en difficulté. Une intervention de Alexander Callens, Neymar Junior, Dodo, Neymar Junior, c'est deux goals dans la compétition. Et deux goals, trois passes. Qu'à présent, avec trois passes décisives. Mais Neymar Junior, c'est 71 goals pour sélection nationale là. C'est 68, je crois. Et pour l'équipe de Brésil, n'a pas tout à l'heure. C'est 68, Neymar est 68 goals pour Brésil dans 109 sélections. Merci. Et 110e sélection. 110e sélection pour Neymar Junior. Tite Cap, mandé monsieur, pour yon capable de tourner, puisque touche ça, et que arrière gauche, Péruvien, libre à le faire, il est capable, si vous quittez l'espace, il est capable de mettre en difficulté, yon touche et qui est contré, ballon à Léon Lecroix, et en touche et pour l'équipe péruvienne de football. Attention, ballon récupéré par la sélection brésilienne et avec dans cette position Thiago, la passe de Thiago Silva, Fred allé à gauche, Renaldo Di, contrôle orienté, passe dans pour Neymar contré, Renaldo Di joué encore, et Renaldo Di, alors Neymar Junior, Franck Service, c'est le troisième meilleur buteur dans la zone Amérique du Sud là, après Edson Arantes Nascimento Pelé qui gagne 77 goals, Messi qui gagne 76 goals, Neymar 68 comme troisième bon buteur, gagne Luis Suarez qui gagne 68 63, et puis gagné Ronaldo Luis Nazario da Lima qui a 62 goals. Entre temps, on relance côté et péruvien. Petite déviation. Et là, il a essayé d'aller vite. C'est la balle qui a fait première déviation. Il a lancé Gianluca Labadoula. Défense brésilienne n'a pas replacé lui. Danger pour le Brésil, bon de Labadoula. La frappe repoussée. Oui, et dégagement, corner. En pile détermination pour côté péruvien. Yo. Et là, et c'est premier flop cadré dans le match. Mais belle passe pour Gianluca Labadoula. Il fait crochet. Il crochet et puis la frappe du gauche. Et Ederson tape suivre. Lui repousser ballon et défense brésilienne et concéder corner là. C'est intéressant ça, nous vivre là avec péruvien. Attention, corner soulevé. Coup de tête de Casemiro. Ballon récupéré, Portapia, la passe sous un nouvel entrant, la paix de Miguel Yoan Lopez, ballon balancé dans la boîte là, la sortie du portier de Manchester City, Ederson Moraes, ancien du Benfica Lisbonne, champion du championnat anglais avec l'équipe Manchester City, et finaliste malheureux, Ligue et des champions, passe fait en retrait, ballon avec et Fred, Casemiro pas jeune ballon, Marquinhos joué pour lui, Marquinhos Richarlison, la déviation. Richarlison n'a pas trop été sous l'aile là non. Mais le Neymar sorti, c'est Neymar qui prend le côté gauche là. Là Richarlison allait devant. Ballon pour et passe ça de Paqueta. Je dans l'autre, c'est ça, c'est Paqueta qui prend le ballon là pour distribuer pour Brésilien. Et la faute sur Paqueta. Monsieur le monsieur Toba, pas bien faute sur Paqueta. Dans l'autre, il a contrôlé. Là, mettait en difficulté. Lui finalement joue une faute là. Faute commise pour l'attaquant de Benevento, Gianluca Labadoula. Gianluca Labadoula qui a pu utiliser lui auprès de Renan Lodi. Oui, Renan Lodi, nous capables de dire c'est un bon technicien. Oui, les missions gagnent un boule là, il y a qualité. Et là, en dessous, attaque ça avec un Brésilien. Danilo Lopez, il y a en face du compte. Danilo Lopez, du ballon, même tout fait faute là. On va s'en faire pas quitter. Et qui peut venir dans le guetant lui-même, relancer lui. Et le ballon pour Renato Tapia. Renato Tapia qui est orienté vote là à droite. Mais c'est bien joué. Et ballon pour l'équipe péruvienne qui bénéficie de une touche. Touche et que Yopal exécuté. Et on touche avec 62% en position de balle pour le Brésil. Dans le moment, touche là sur côté droit là, pour l'équipe péruvienne avec et Colso. Un coup de tête, dégagement pas bon. Ballon en capable de danger pour le Brésil. Attention, bon dribble. Non, joueur ça qui met ballon en trop. Non. Christian Cueva, c'était plutôt Garcia qui était tiré. Garcia a peine entré en jeu. Qui était tiré. Raziel Garcia qui était remplacé Christian Ramos. Alors il y a deux changements côté Pérou. Miguel Traoré pour remplacer par Marcos Juan Lopez. Et puis Raziel Garcia en place Christian Ramos. Voilà, Gianluca Labadoula qui enroule le Thiago Silva. Une belle frappe détournée. Détournée dans 6 mètres là par Ederson. Puis là, il y a un Casemiro qui était lui-même à tourner, dégager ballon ça en corner. Là, il y a un ballon qui contre dégagement. Non, Danilo, c'est pas le moment. Attention à Christian Cueva, bonne passe. Il besoin de monde de bail de Alba Jeune, il essaie de prendre un chance pour contre lui. Il est de loin, non.
Et Péro vient vraiment menaçant dans la deuxième période là. C'est l'autre équipe Péro vient. Oh ouais, c'est Péro qui a fait jouer là, c'est Péro qui est beaucoup plus direct, voilà. Et Péro jusqu'à présent a posé pas mal de problèmes à l'équipe brésilienne là, qui peut rentrer dans la deuxième période là. Deuxième période qui a été titée puisque il sentit l'équipe a beaucoup capable de reprendre le contrôle du match là. Dès que tu as gagné, elle n'a pas parti là. Mais il faut que tu t'es songé. Le match de football, c'est 90 minutes que durer. L'équipe a doué et toujours Kembe, même détermination, même rythme. Soit casser la force pour assurer que tu as plié le match là. Attention, Richarlison, un ballon, on suivant la séparation. Frappe totalement dévissé. Il rate il là. Richarlison de Andrade. Et on frappe en déséquilibre. Richarlison n'a pas essayé de porter danger, mais. Il frappe plié à pas de cadre, on frappe qui dépasse nettement à côté. Et qui pas de force tout. Ballon qui va le relancer par Pingo Gaïsi pour le Pérou. 53 minutes, salutations à Faridi Camille, ensuite Mouna Silo, Edwige Gaspard, Betty Gaspard, la relance. Ils ont coup de tête, déviation, c'est Neymar qui joue en retrait. Casemiro, Neymar. Monsieur. Roberto Tobar, demandez pour. Il y a Gianluca Lapadula qui était sous pilouse là. C'est Lapadula, pas capable de continuer, c'est un véritable coup de jeu. Il y a déjà pas bien André Carillo qui est sous suspension. Il était expulsé dans le match contre l'équipe Paraguay. Match que Pérou a pénétré. Oh, ça qui est là. Cheville viré pour Col. C'est dur. Et cheville viré. C'est pas trop grave. Non, espérez qu'il va trop grave. T'as bien aimé qu'il est capable de continuer pour défendre la couleur et pays. C'est Gianluca Lavadula qui se chauffe dans la bicolore, la blanquiroa. Oui, c'est lui qui se mettait. Et donc, essayer, j'en soutiens à l'équipe de Manchester City. Et dans la deuxième période, la Brésil a branché, mais un peu de mauvaise passe. Et il n'y a pas de confiance pour l'équipe de Péruvienne dans le football. Ça. La 54e minute, en tout temps, Renato Tapia. La relance de Renato Tapia pour une tête brésilienne, c'est Marquinhos. Danilo Brasil en retrait sur Marquinhos, comme tout à l'homme de terrain, juste un ballon de Casemiro. Casemiro, mauvaise passe. Pourtant, l'étape, il fait un pile bonne passe dans la première période là. Il y a une faute de Fred. Renato Tapia au sol. On est là. Et oui, c'est Lucas Paqueta qui commet tout là. Sur le milieu de terrain, Celta Rigoa. Sept fautes commises de chaque côté. Sept fautes commises par les Brésiliens. Et l'équipe et Incochio en tout temps. Ballon balancé dans la surface de réparation. Mais il est écarté. La défense brésilienne de foot, ballon qui allait et en touche. Colso a quitté touche là pour Santa Maria qui va exécuter tout ça puisque les gains plus monde devant. Et touche en fait, Gaziel, bien joué, récupération brésilienne. Casemiro, faute sous Casemiro, pas principe, directeur de jeu a quitté, je vais te la continuer. Neymar, ils sont juste à le défendre dans le match Chili. Il y a une faute, la faute sur Richarlison. Les cartons jaunes pour Yoshima Yotun. Yoshima Yotun qui a marqué le troisième goal pour l'unité couette de la qualification à l'équipe péruvienne à 3-2. Lorsque Paraguay est inégalisé de partout, mais l'équipe paraguayenne 3-10 après le rejoindre l'organisation. Les joueurs de Cario qui ont tout exclu de ses côtés. Et c'est le premier carton jaune dans le match. Oui, nous capable de jouer ça, c'est Yoshima Yotun. Il en tout temps, on passe en retrait ballon. Contrôlé par Thiago Silva, le long de l'île. Très bien. Thiago Silva joue Fred, il y a anglais, mais qui a évolué du côté de Manchester. Ballon avec Casemiro, le Madrilène. Casemiro, la déviation de Lucas Paqueta. Londonien joué Fred en retrait. On y a sous Marquinhos, dans la capitale pays de la France, à Paris. Il joue sur ex-parisien. Thiago Silva à droite. Danilo qui lui-même en Piémont. Attention, la passe contre Everton. Everton qui a évolué un côté. La Benfica. La côté qui a gagné. Bulle
pour Ligue des Champions 2019 là, Ligue des Champions 2019-2020. Là, c'est le président. C'est le président de la CONMEBOL, Alejandro Guillermo Dominguez Wilson Smith, qui est en poste depuis 2016. C'est lui-même qui a dirigé la Confédération Sud-Américaine de football, la CONMEBOL. Entre-temps, ballon avec Gianluca Lapadula, et un deuxième monde paraît, ballon profite à Lapadula, qui nous a passé à droite, Yoel, entre-temps, passe en fait dans l'axe, bien joué, et non, bah, Yoshima retourne, Paqueta qui est arrivé, on a pied gauche de celui, habite son pied là. Est-ce que c'est Paqueta qui était meilleur visage de tout? C'est un bien foutu Lucas Paqueta. Voilà, la piscine oui, tirer autour. Mais en bas, aller dans le visage, il n'y a pas que tu as pu se protéger le ballon. C'est coup de gauche, lui. Oui. C'est coup de gauche, lui. La gagne est faute vraiment. Soit pour l'équipe péruvienne du football. Soit pour le Pérou. La Roy Blanca. L'équipe péruvienne qui. Nous rappelons qu'en 2016, tu es quart de finaliste, mais en 2015, tu es troisième dans la Copa América. Copa América en 2019. 2019, tu es finaliste. Avec des fins éliminé Chili. En 2000, il a perdu face à l'équipe de Brésil. Tu as gagné 3-1. L'équipe péruvienne, ça. Pérou qui te bat Brésil à Belo Horizonte. Donc, vous êtes habitué à gagner les îles La Caïli. Nous, après la Copa América, nous joué 20 fois déjà. C'est 14 victoires pour le Brésil. 3 nuls et 3 victoires pour la sélection péruvienne de football qui parle. Et lui-même a plié face à l'équipe brésilienne. Ça, entre-temps, la 59e minute, prolongement. Attention Casemiro, là, capable de gagner danger. Mais Brésilien qui vient occupé en défense. Dégagement en deux, Thiago Silva. Attention là avec pressing Neymar. C'est très bien joué de la part du joueur péruvien. L'un des nouveaux entrants. Et là, assez et Lopez à droite, Cunha. Et c'est Peña qui va lancer le devant. Contrôle et avec Gaziel, talonnade. Et bien Lodi qui t'active. C'est Thiago Silva qui vient Lodi. Parce qu'en fait, en de terrain, Cunha, Casemiro dit prêt pour organiser. Fred John Neymar. Quelle déviation de Neymar. Paqueta, passe en roulette, pas de faute. La récupération péruvienne. Faut que Brésil va chercher plier match là. Péruvien au légalisation, même pour aller Yalder et tout. Ils sont capables de venir là. Attention, la frappe vous serrez. Le dégagement in extremis de Thiago Silva. Et Gaziel Garcia, c'est le même qui se frappe là. André Waxion. Franck Saint-Ville, ça fait deux ballons. Ça fait deux ballons et Derson repoussé dans 6 mètres là. Oui. Ça fait deux ballons repoussés dans 6 mètres là. Si la Padoula suive. Si la Padoula suive. Campé dans le point pénalty. Il y a 6 mètres là, campé là, il n'y a pas besoin de camper plus loin. Mais action encore. Ou bien quel que soit l'autre attaquant qui vivait là, ou même se passer de l'heure, pas le camper dans le mi-temps du arrière centre. Si il était dans le mi-temps du arrière centre, c'était possible que tu aies là au jeu. Il y a passé l'heure de jeu, la 61e minute de jeu. Et Pérou est capable de chercher égalisation et Brésil a cherché un deuxième goal. C'est un coup franc pour l'équipe brésilienne. Ballon joué sur Renan Lodi, déviation de Neymar. Ballon joué par Fred, Casemiro. La passe sur Richarlison, Alanda. Casemiro qui a option à droite là. Ils font passe à droite. La cherche avec Cebolinha qui contrôle le ballon. La passe en retrait en direction du Danilo. Casemiro passe en contrôle de Casemiro. Déviation de Neymar. Ballon joué par Cebolinha. La frappe trop molle. Et capté par Pedro Gaïssé. Dernier rapport équipe. Et Pérou vient qui va mettre le ballon dans le jouet. Pérou Gaïssé de la main, les compasses en direction de Marcos Lopez. La passe au milieu et sur Yoshima Otoune. Renato Tapia, le ballon en avant de Renato Tapia. Le dégagement de la tête de Renan Lodi. Ballon sorti en touche. Touche pour les Pérouviens. Retrait de touche avec Aldo Colso. Aldo Colso fait très rapide. Ballon contrôlé par Renato Tapia. Les joints dans Yoshima Otoune, la passe de Yoshima Otoune en direction de Gaziel Garcia, ils font passe en avant, mais bonne lecture réalisée par les Brésiliens.
Yon déviation, les Péruviens ont repris très rapide la passe en retrait en direction de Santa Maria. Santa Maria, Yoshima Yotoun, la passe, l'équipe Pérouane joue bien. Yon passe en direction de Christian Cueva, Aldo Colso, il oblige à la retrait. Dans tout tapia, et Christian Cueva vient chercher le ballon là. Yon passe en profondeur, ballon récupéré par les Brésiliens. La passe sur Danilo qui contrôle le ballon. Danilo, allez pour Paul. Danilo, la passe de Danilo. Mais défense équipe en Pérou à table suivre. Il a essayé de sortir avec ballon très propre. Lopez, les faux passes en dedans. Yoshima retourne. Déviation sur Gianluca Lapadula. Lapadula perd du ballon, pas pour trop longtemps. Il passe en avant. Ballon contre le parc. Et Cueva, Christian Cueva. Il petit passe en dedans. Périvien, il retourne avec une autre détermination. Et mais pas même match, on t'a pris en première période là. Ballon joué par Aldo Corso. Là, en retrait sur Yoshima retourne. Yoshima retourne, ballon contrôlé toujours par les Péruviens. Yoshima retourne, les font passe, ballon contrôlé et par les Roy Blancos. La passe sur Santa Maria, Marcos Lopez, repasse le ballon à Santa Maria, Yoshima retourne, ballon perdu, récupération des Brésiliens, Neymar va accélérer, il prend ballon en pile, Fred récupéré pour les Brésiliens, la passe sur Richarlison fait prochain, arbitre a dit jouer au football, je ne vais pas faire ça, Richarlison, ballon joué par les Péruviens, la passe en profondeur, il a cherché avec Gianluca Lapadula, mais Marquinhos avec beaucoup de sérénité, il contrôle le ballon pour les Brésiliens, la passe de Lucas Paqueta, Neymar, la frappe de Neymar, frappe trop soulevée. Les ballons passés au-dessus de la base. C'est carrément un autre match. Oui. C'est carrément un match qui est ouvert. Et deux équipes bio qui a essayé d'attaquer l'autre. Au sens du côté péruvien, il y a plus de pression, il y a plus de confiance. L'équipe péruvienne qui allait plus dans le goal là est beaucoup plus verticale. Comparativement à l'équipe de l'ABCI. Et de qui on joue après ballon et puis fait passe. Et puis qui n'est pas capable de réussir pour y aller faire le meilleur choix. Pour y aller pour y arriver, ils ont tenté déjà, ils ont fait des tirs cadrés sur Ederson pour qu'ils arrivent capable de scorer, c'est ça qui manque là dans le moment. Ballon contrôlé par Aldo Colso, petite passe en direction de Carlens. Aldo Colso, raté contre lui, ballon sorti en touche. Touche pour la Célestin. Vous comprenez qu'il a essayé d'élaborer, il a cherché diversité dans l'attaque, mais il faut que vous êtes concentré tout. Il faut que vous pas subir pression. Pas quitter ou donc pas céder à pression brésilienne lorsque il y a vu une tomatage et là c'était tentative. Ça, c'est le troisième tir cadré. Il y a deux tirs qui sont de haut qui cadré là, la balle là tout le monde cadré. On allait avec Everton, c'est Bolivia qui est ballon, il faut passer dedans, Fred va tirer la frappe contrée. Il sorti en connaître. Depuis quelques temps, bah ouais, Everton. Oui, Everton qui est complètement disparaît. Et Everton qui n'a pas joué en bon première période. Est-ce que Ronimou et l'autre Everton, Ribeiro capable de monter même parce que c'est un joueur de couloir. Il a plus qu'à monter avec Gabriel Barbosa ou Vinicius Junior. Et joueur ça oui, joueur de couloir. Everton plus c'est un 10. Everton plus qu'à jouer même rôle où Lucas qui a joué. Conner pour le Brésil. Neymar balancé. Conner a ballon capté par Pérou Gaïssé, goalkeeper équipe. Et Pérou Vienna. Et Veton Ribeiro, Jean Gonçalves annoncé là ici, qui a préparé pour le faire rentrer. Et j'étais estimé qu'il y a plus de monde pour mettre pied sous ballon. Nous faisons lecture du jeu là et nous voyons qui s'accueille, je ne suis pas capable de porter. Oui. Donc la suivre pour nous. Ballon contrôlé par Lucas Paqueta, Fred Neymar. Là c'est Richarlison, mais accéléré une faute au débat de Richarlison. Changement, il est capable Paqueta tout. Oui, il est capable Paqueta. Changement, il est capable Richarlison tout. Connaissant cité. Plus penser là. C'est ça qu'on va mettre sur le rose à eux, connaissant cité. Oui. Il est capable de nous et on surprise, faire une surprise là et ils font l'autre changement. Mais normalement, c'est Everton. Et Everton voilà, qui a baissé la GA
Il n'y a pas même servi lui-même parce qu'il était un gros match qui fait sur lui. C'est lui-même qui t'a dû sortir là dans le moment. Parce que toute l'autre monde a joué, surtout Richarlison sur le plan défensif qui est très très participé. Il est présent. En tout cas. Oula, réalisé par et Marcos Lopez, ballon joué par Santa Maria. Et Santa Maria, la passe en avant, ballon sorti. C'était Gazier, lui qui t'a fait tout ça là dans le couloir. Il est devant Lopez. Et Veton, nous voyons qui va faire apparition là. Il est Junior, c'est lui-même qui a fait passe pour pour Paqueta. Paqueta a déjà trouvé tout ce qu'on a. Donc il touche avec Danilo, déviation de Paqueta, la passe en avant, il y a cherché Veton, Danilo, il y a tout pour l'IA, puis on passe en avant, ballon joué par et. Oui, va, bon pays vient à terre. Bon pays vient à terre, mais habite la quitte de jouer. Ballon joué par Yoshima Yotun. Yoshima Yotun, il bat Kiel, il quitte l'endan. Alors là, c'est Christian Cueva qui tourne là. C'est Christian Cueva. Christian Cueva, voilà. On passe en direction de Renato Tapia. Renato Tapia. Tapia, la passe en profondeur de Renato Tapia. Là, il est à peut-être joué dans Christian Cueva. Mais Brésilien reprend. Ballon de corps. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, déviation de Everton. Et Danilo, Danilo pour passer en Dambourg, et Paqueta, Neymar, Neymar Fred, je vais dire Neymar à tête, avec la vie de football, ballon joué par Rinaldi, et Richarlison. Richarlison, attention, attention, tout Rio de Janeiro qui destitue là, Franck Sérieux, Neymar à tête, tout Brasilia qui est sous là. Et Mato Grosso Kembe Soufiola, l'autre état dans le pays Brésil. Donc pas vous c'est Neymar. Bon, c'est pas grave, nous connaissons Neymar et tout, Franck Saint-Ville. Il dessine un genou déjà tout. Et connaissant Neymar, connaissant Neymar tout lui-même, donc capable de ça pas rien là et puis Neymar quitte le match là. Oui, oui. Il faut que je les mêmes nous disent souvent, il faut que éviter qu'il y ait des ballons lorsque ce n'est pas trop important. Éviter qu'il y ait des ballons trop. Et nous, ouais, quand même qu'il y ait des ballons, parce que c'est le jouer en ça. Mais lorsque le ballon, ce n'est pas dans une zone côté que le plus important. Et on va subir une faute là, côté que c'est capable de faire. C'est tout à l'heure, c'est Everton qui a sorti. Everton remplacé par Everton. Ah oui, il y a une Everton Suarez. Souvent, l'autre qui met derrière lui, c'est Bolivia. Et puis, l'autre là, c'est Everton. Même club avec Gabriel Barbosa. Même club avec Felipe Luis. Felipe Luis, voilà. Felipe Luis. Et nous songeons. John Diaz Carita, qui est un Uruguayen. Oui. Capable d'ajouter, et nous songez, monsieur Sao, ensemble, nous avons remporté Copa Libertadores là. Copa Libertadores, nous avons remporté en 2020 et 2019, pardon. 2019 voilà. Contre River Plate, à l'époque, tenant du titre et club River Plate de l'Argentine. Nous avons remporté la KP, oui, à Lima. Ballon et la finale, ça déjà. Ballon contre l'époque. Les Brésiliens, Thiago Silva, capitaine Mundeye, Casemiro, et Casemiro, ballon joué par Neymar, la passe en avant de Neymar, la cherche Richarlison, oui, Richarlison, là, la habitation de football. Non. Richarlison va protester, l'habitant vient dit c'est croisement du joueur. Nous reconnaissons que je contacte. Oui. Mais c'est pas évident pour que Libaï passe. Quelle passe. Une très bonne passe. De Neymar. Bien fait aujourd'hui là. Oui, deux corps qui contrent. C'est deux corps qui contrent. Alors, le football, c'est un jeu de contact lié. Et je me sens que dans le match Belgique, Italie, habite la tête dans pénal comme ça. Là. Oui, habite qui va diriger le match Belgique là. Je connais et malgré toute modification qui est dans la loi. Football là, loi du jeu, mais toujours bien dans Tokyo, c'est loi 12, je vais quitter. Et pour quelques côtés qui quitter, c'est l'arbitre central là, c'est même qui va le décider. Salut, balancé, ballon contre les portes, les Brésiliens à nouveau, ils ont passé en retrait sur Danilo. Danilo passe ballon à Renan Lodi qui font passe nettement en retrait. En direction de Ederson, Ederson avec gauche, il met des ballons nettement en avant. Oui, les joueurs dans Neymar contrôlé, il met de la tête avec la tête, il joue au football. C'était Richarlison qui t'a tenté de contrôler le ballon.
Ballon joué par les Péruviens. Péruviens, yo, Aldo Colso, la passe de Aldo Colso, ballon contre le sorti en touche. Touche pour les Péruviens. On joue la 72e minute de jeu. Aldo Colso va le faire entrer de touche là. Aldo Colso, yo, dégagement qui est privé. Équipe Brésil là avec Fred. Renaldi, Thiago Silva, la passe de Casemiro, déviation de Everton Ribeiro, Danilo, passe ballon à Thiago Silva, la passe à l'avant, oui, ballon contrôlé par Everton Ribeiro, il y a un dégagement des Péruviens, et puis il y a quoi contrôler, non, Danilo pour le Brésil, Danilo fait un mauvais passe. Qu'est-ce qu'il fait Danilo? Son contrôle qu'il fait, c'est la passe, non? Son contrôle, il fait, il pousse le ballon en devant pour le cas sorti. Nous voyons Danilo Temeli avec ballon. Là, oui. Il y a déjà dans le camp Brésil avec ballon. Un Péruvien qui a attaqué là. Oui, danger pour le Brésil. Ils ont passé en retrait. Yoshima, la passe de Yoshima. Marcos Lopez retourne le ballon en dedans. Ils ont passé en profondeur. Et Péruvien qui a fait pression. La passe. Intervention de Fred. C'est Fred qui dégage le ballon. Ça, c'est un corner pour l'équipe péruvienne. Un bon corner pour Péru. Oui. Et dernier rempart équipe brésilienne. Et des sommes, selon ça nous capables de dire les mêmes niveaux en Brésil. Et dans le coup de ça, tous les trois gardiens brésiliens joué. Mais des sommes, c'est les mêmes qui jouent match de pied important. Parce que Tite est le même jeu de pied pour équiper Manchester City. En tout temps, pour séparer des sommes. Très bonne intervention, très bonne sortie d'Everton. Les ballons contrôlés par Christian Cueva à nouveau. La passe en retrait, sans plein pas le vini. Et vous mettez ballon dans la boîte là, ballon capté par Ederson. Bonne prise de balle, les fautes derrière pour Everton. Et Aldo Colso, qui est à côté danger, dans l'équipe brésilienne. Là. Mais centre et Christian Cueva. Et Ederson a contrôlé la trajectoire ballon, il est capté dans les airs. Oui, c'est bien faute. L'entrée qui va attirer par Ederson, ça prend élan. Et on l'autre changement, il y a Aldo Colso qui est déplacé. Aldo Colso, remplacé par Laura. 75e minute de jeu. Brésil a toujours appelé par Yongo Lazengo. C'était à l'écran et là, et depuis. Match contre Colombia, Brésil pas capable de scorer au pluriel, de débattre Colombie de 1. Nous rappelons que c'était un but partout contre l'Équateur de la dernière journée de la phase de groupe. Et puis Yongo la 0 contre Chili. Et là, Brésil c'était 1-0 tout contre la sélection péruvienne. Alors est-ce que Brésil est prêt à marquer un deuxième goal? 15 minutes encore. Donc nous allons suivre pour nous. Il était un quart d'heure. Intervention en deux Marquinhos. Qui dépossédait la part de là du ballon. Il y a un changement de côté. Quelle réception de Graziel qui a fixé Everton. Et on passe en retrait Everton dans ses 32 ans. Et on passe en retrait. Et ballon passe en bas pied joueur. Mais équipe péruvienne toujours en phase d'attaque. Ça, y a un long ballon dans la défense. Équipe Brésil-là passe de la tête en retrait sous nouvel entrant. Attention, là il y a organisé. Attention, Rinaldi. Il a quitté Rinaldi à tête. Là, il y a une faute. Arbitre central l'a dit non. Pas de faute de Fred. Rinaldi sur intervention Fred récupéré. Là, c'est Richarlison. Son bonheur, là, c'est Rinaldi. Richarlison, Casemiro de l'extérieur du doigt. Lijon Neymar qui va le faire ouverture. À droite, Likembe ballon, Litton Danilo monté, Lisservi Danilo bien metté dans sa course, il était alors défenseur turinois, la joue Neymar, Liwa Richarlison passe point de temps, et là, petit bon de Neymar, la faute sur l'astre brésilien, Neymar Junior qui a charmé nous depuis le début du match, ça, voilà, et au premier dribble, ça c'est pas ce que l'a fait. Oui, Alexander Callens fait faute. Ça n'est pas capable, pardon. Le joueur qui remplace Colsoa, c'est Carlos Lora. Carlos Lora. 26. C'est Léon Koufran. Nous voyons Lucas Paqueta qui a un bon pied gauche. Je vais aller directement dans le gol là. Neymar tout
position ça les capable toujours pour chasse donc il va chercher pas c'est à mettre dans pour pénalité à pour n'importe qui va chercher tête Marquinhos tête Thiago Silva tête Casemiro qui marque contre goal avec Real Madrid pendant la saison hein. Que ce soit et à pied que ce soit à tête lui le ball a été ou bien phase de jeu ordre et progrès et devise et Brésil, équipe qui remporte la Coupe du Monde en plus à 5 reprises. Et récupération péruvienne. Attention frais de marquage. Et très bon tacle de Carlos Lora. Attention, défense brésilienne va être tourné. Oui, car c'est un monde qui est tourné. Mais tu es en jeu. Déjà, tu es en jeu. On dit deuxième demi-finale là, c'est Argentine-Colombie. Colombie. Deuxième et demi-finale. Dernier match de l'équipe Sayo, c'est 2-2. 2-2. Argentine éliminé 2-0 du monde. Argentine a été mené 2-0. Bonheur. Bonheur. Argentine a mené 2-0. Argentine fait un bel match contre dans le quart de finale l'IA. Contre Équateur. Équateur, voilà. Il a mené 1-0. Et puis Équateur fait toute salle qu'on a voulu tourner dans le match. Et puis Équateur va prendre 2 goals dans ce match là. Everton. Joueur Flamengo qui est passé dans Al-Ali, c'est joueur Cruzeiro, ballon pour Richarlison, bien glissé pour Renan Lodi, ça va pas bon. Est-ce que le ballon va te sortir? Tout à fait le descendre dans le deuxième. Capté par Pedro Gaïssé. Pedro Gaïssé pour être capable de relancer. C'est qu'il y a une relance avec. Pedro Ogaï, c'est pour la sélection péruvienne dans le football. La Roy Blanca, faute, bousculade de Renan Lodi sous Gianluca Lapadula. 79e minute de jeu. Et on bat qui baissé en intensité. Donc l'équipe a essayé de gérer l'énergie là pour Joyo. Il y a besoin d'énergie pour 10 dernières minutes. Ce que nous espérons. Ça a bien vu cette intensité surtout pour l'équipe péruvienne qui doit chercher égalisation. Hein, et pour le Brésil ne pourra pas tuer un match là. Entre temps, Casemiro marquage. C'est très bien joué de la part du joueur péruvien. Everton Ribeiro pas pouvoir contrôler Cristian Cueva. Passe en retrait pour Yotun. Yotun est ballon en dessous. Yoshima Yotun. Bon pied gauche. Yoshima Yotun va aller à gauche. Li aller dans le couloir net. Et c'est bien joué avec Yoshima Yotun. Yotun est ballon hein, sous Yoshima Yotun. Et là, ballon toujours pour l'équipe péruvienne. Quelle déviation. Attention. Le dribble. Péruvien toujours gagne ballon. Passe en fait dans un couloir avec et on passe en retrait et là on vient oublier à tout prix jouer une route de là que brésilien va essayer de barrer avec eux mais finalement on a une faute sur Yoshima Yotun c'est pas vrai bien l'autre changement c'est Lucas Paqueta qui a fait marquage là et qui commet faute sur Yoshima. Lucas Paqueta, il est de l'équipe en pile. Lucas Paqueta l'a défendu et puis l'a attaqué en même temps. Et Péruvien, nous sommes capables de jusqu'à présent à négocier une très bonne deuxième période. Et il y a multiplié les changements autour. Bien Cristiano Cueva qui est sorti. Cristiano Cueva, remplacé par Santiago Ormeño. Cristiano Cueva qui est arrivé côté. Donc bonne chose pour l'équipe chilienne, mais. Tout n'est pas perdu, il y a quand même toujours à chercher égalisation. Oh là ! Coup de tête de Alexander Callens sur une mauvaise sortie de Ederson, Ederson Moraes qui était capable d'égaliser. C'est dommage pour Pérou. Coup de tête passé à côté. Il connaît bien déposé sous tête Alexander Callens. Coup de tête en déviation. Et oui, on couvre de Yoshima Yotun, merci bien. Très bien balancé et heureusement pour le sorti Ederson by Ederson fait une très mauvaise sortie. Ederson ballon qui est dégagé contrôle la babon li aller en touche. Brésil jusqu'à présent pas à l'abri dans match là et Pérou a montré l'agressif et brésilien eux-mêmes ont montré yo manqué juste pour aller chercher deuxième goal là et c'est vrai que le deuxième goal là qui a venu à n'importe quel moment tout parce que Neymar mais on senti et brésilien ou pas jouer avec détermination tout le monde de l'épisode là
avantage de balle pour avantage du ballon de Pérou. J'ai contre Neymar. Pour l'instant, c'est 13 fautes commises par les Péruviens et 9 côté brésilien. Un seul carton jaune. Toujours, c'est Blanc Péruvien qui prend. Et donc le Brésil qui était tenté 3 tirs. Et alors que côté Pérou, il réussit 3 tirs, Pérou réussit 3 tout lui-même. Entre-temps, on passe à droite, bien joué. 58% de position de balle, tantôt le monter, tantôt le descendre tout. Malgré tout effort que vous avez fait, nous n'est pas capable. Alors c'est 14 tirs au Brésil, 8 qui allaient. Et alors que côté Pérou vient de c'est 2 sous 6 qui ont tenté de gagner 3 qui contrent côté Pérou, même si on a 3 contre tout. Côté brésilien. Fini 6 par l'entrée. Gagné et Fabinho tout à l'entrée dans le match. C'est à la place de Fred pour Fabinho. Étape plus semblée Paqueta. Richarlison pour ce que Brésil pour couloir net Neymar. Gagné faute sur Neymar. Gagné faute sur Neymar Junior. Si bien trois changements, il faut capable d'essayer de garder. Est-ce que c'est Emerson qui a préparé le bon côté Vinicius là tout comme d'a dit c'est à la place de Danilo. Ou encore, c'est à Lodi qui a descendu pour Alexandre. Mais nous, autant que ce dit, nous reconnaître Vinicius et Fabinho. Changement au côté Brésil. Casemiro passe son palier avec Roberto Tobar. C'est Eder Militao. C'est Eder Militao. C'est Eder Militao avant d'entrer dans la place. Il est dans l'Odi pour la place. Pour faire une défense à 4. On dit en charnier. C'est à la croix. Voilà, c'est Fred qui est pour Fabinho. Fabinho, 215. Premier changement, alors c'est le deuxième changement Brésil, le premier dans 3. Oui, Tézil, c'est la place Fred ou bien Paqueta. Fred avec, alors, Fabinho avec Casemiro. Nous tapons Antonio là. Consigne que Fabinho se recevoir souvent avant de monter à faire passer la balle avec Casemiro qui lui-même tout dit là. Attention, c'est moi qui. Richarlison pour Vinicius. Nous t'ai annoncé le bon Richarlison. Oui, Vinicius. Vinicius. Puisque s'il solidifie mi terrain, s'il densifie mi terrain, on n'a pas de titre, il est capable de mettre un monde dehors. Qui c'est Vinicius. Il connaît Vinicius. Rinaldi, voilà, pour Ederson. Il connaît Vinicius. Rinaldi, pas plus solide que Danilo. C'est pour un changement. Il n'est pas vu celui qui Danilo, pas descendre Danilo, il quitte Danilo, il pense que tu as vu faire Danilo passer à gauche, et puis il peut pas faire et dire Militao aller à droite. Comme ça, il va toujours décider de quitter Militao là et sous côté gauche là. Et avec Vinicius pour le ballon, Neymar de nouveau bon. Oh, et frappe contrée. Pérou va le contre-attaquer. C'est très bien joué de la part du joueur péruvien. Et il veut conserver le ballon, nous allons le suivre pour nous. Comment vous pouvez l'organiser. Et Vinicius était à gauche comme ailier, gagné, Paquet a toujours la place ni. Everton Ribeiro à droite, Neymar devant, toujours dans 4-2-3-1. Avec et à gauche le ballon pour la sélection en péruvienne de football. Raziel Garcia et passe en fait en route relance qui va jouer Danilo. Donc c'est Eder Militao qui a été comme latéral gauche. Il y a Militao qui est à gauche. Alexandre, pas contre si blessé, mais moi Alexandre qui est sélection. Alexandre même sous bon l'Italier et pas contact, pas vraiment contact passé avec Alexandre. Pourtant, moi gagne dans la feuille de match. En tout cas, il y a relance et déviation Neymar pour pointer ballon. Très bien joué de la part de Renato Tapia. 26 minutes qui joue déjà. L'équipe peut bien dans la force de 4 minutes. Non, tant que l'élémentaire, il faut que chercher une réalisation. Il faut que je joue ni. Si on ne pas voulu quitter la compétition là. Et puis bonheur que tu aies quitté en 2019. Voilà, ballon contrôlé par l'équipe et brésilienne. Mais pas pour tout longtemps. Pérou gagne. Ils ont passé en enquête terrain. Oui. Et Pérou Déo qui a essayé. Pour voir comment ils sont capables de jouer une égalisation. Ils ont passé à droite. Gianluca Lapadula. Lapadula fixé Militao. Casemiro. Il est en train de récupérer. Mais Pérou vient reprend. Bon placement de Militao. Il y a une bataille pour possession ballon là. Ballon joué par Fabinho. Lucas Paqueta.
Paqueta, Everton Ribeiro, la passe en direction de Neymar, il était 204 là en face de Santa Maria, ballon contre l'allée en touche. Touche pour le Brésil, on joue la 87e minute de jeu. Le Brésil 1, équipe Pérou à 0. Rentrée de touche pour exécuté par Danilo. Danilo, au pral faire rentrer touche là, Neymar met des ballons. Il fait passe là pour Neymar. Neymar, la passe de Neymar. Oui, il remet Neymar ballon. Neymar avec Paqueta entendu très bien, mais Neymar perdu. Ballon récupéré par les Brésiliens à nouveau. Lucas Paqueta, il perdu encore. Neymar, Danilo Vendel. Mais ballon sorti dehors. Finalement, c'est l'avantage de Pérou. Ballon sorti en touche. Parce que bon, tous les Brésiliens ont pu faire le là. Le mieux c'est que tant qu'il tire un goal à chercher et plier match là. Attention, oui, défenseur. Attention, très bonne relance de Gaïs. Ballon joué par les Péruviens. Vinicius a fait plus la place de Vinicius. Vinicius a fait un carton. Carton joli. Vinicius Junior. Et Vinicius s'est commettre la main. Il est en retard sur l'intervention là. Arménio qui est en place à la place Aldo Corso. De Corso qui tape à droite. Arménio c'est 226 là, il est en place Corso. Et on l'autre dernier pour l'équipe péruvienne là. Et c'est Gérald Tavara. Sergio Peña capte. Et à la place de Sergio Peña, 8 la descend, 7 la montée. En tout temps la déviation, très bonne déviation. Dans le cas, et la Badoula pour jouer en retrait. Oui. Et un ballon qui contre l'Ali en touche. Une touche pour les Péruviens. Regardez. Et joueur qui a peine entré en jeu là. Là, ballon contrôlé par les Brésiliens. Ils ont passé en avance. Il manque à jouer comme véritable avant-centre pour les Brésiliens. C'est les mêmes qui pourraient jouer. Ça fait la tournée sur pourtant l'estimer qu'il était assez évident pour les Baïkaton. Et oui, tu as une faute sur Paqueta, directeur de jeu à Téwel, M. Tobal. Tu as suivi l'action 1. C'est vrai, il hésitait. Mais il tournait sur Paqueta, où Paqueta a récupéré le ballon là. Et puis il a laissé jouer sur Everton. On t'a appuyé. Et depuis de Miguel Lopez, sur Lucas Paqueta. Jamie Orwell a ralenti à cause pas de contact non entre Lopez et Paqueta. Mais attention. C'est ça qui gagne dans le jeu de ça, dans le football là, on n'est pas obligé de toucher le joueur pour faire faute. Mais tu as une agressivité et tu es client dans l'intervention arrière latéral gauche péruvien. Il y a un joueur qui est entré, on a parlé de Miguel Lopez. C'est un Paqueta arrêté à terre. Yoshima Yotoun, quelques réactions de joueur, Neymar Junior. 90 minutes ont écoulé. Combien de minutes? Combien de minutes de temps supplémentaire? 5 encore. 5 minutes. 5 minutes à tenir pour le Brésil. Le Brésil va chercher plier match là, chercher deuxième goal là, valider. Qualification. Titérité en dernier changement. Action qui va mener goal là. Et on relance peut-être côté Brésil. Neymar, alors c'est Richarlison qui lance Neymar. Neymar avec Callens et puis Ramos, il devait passer Callens. Il s'est entré en retrait et puis Paqueta. Voilà, Neymar a les ballons. Ramos pas même qui est arrivé. Et puis Miguel Trauco a laissé sortir pour dégager Yann Wita. Et Lucas Paqueta l'a marqué pour le Brésil. C'était une victoire, mais c'était fait 2-0 contre Paraguay en éliminatoire. La Coupe du Monde, Paqueta, Neymar qui était marqué pour le Brésil. Oui, Paqueta. Et bonne forme Paqueta, par exemple, les personnes. Donc, ils jouent une bonne saison avec lui. Et nous sommes venus dans l'équipe Lyon. C'est véritablement lui-même qui est retiré, qui est mal arraché dans le club. Non. C'est Douglas. Et Lyon. Et là, c'est Douglas Luiz qui a pris la place pour jouer à Aston Villa.
En tant que terrain, on a gagné deux joueurs qui ont joué en Angleterre. À Aston Villa, a commencé une grosse saison. Oui, Aston Villa a commencé une grosse saison. Aston Villa a passé l'hiver pour lui en cette année. Si je ne m'abuse, tu as gagné 7 goals. C'est 7 goals. Donc là, c'est plié dans le milieu de terrain. Là, ça a été gagné Watkins. On lit Watkins qui lui-même l'a dit. On lit Watkins qui réussit cette saison lui-même. Ça a finalement sorti. Et pas qu'à continuer. Tu as un Brésil là, c'est 3 médias défensifs. Oui, 3 médias défensifs. 3 médias défensifs. Et monsieur Fabinho avec Casemiro, avec Douglas plus à l'aise. Oui, mais 3 médias défensifs. Habile balle au pied par rapport avec. Et nous avons dit Chité avec Soti et Paqueta, Chité dans 6 médias défensifs. Là, lui, c'est 4 de sécurité que Chité joué là. Il ne peut pas le mettre en l'autre. Donc, il ne pas comme Kaïdil sur le banc défensif. Et là, et d'ailleurs, Ouel, il m'a demandé avec Ribeiro et puis Vinicius pour eux-mêmes, ils tourné. Ouais, c'est seulement Neymar qui a fait le pressing là pour l'équipe brésilienne. On passe en profondeur et aider Militao au marquage. Équipe péruvienne qui est pour pressing la bête. On mène en visage Militao. C'est Gianluca Lapadula, l'équipe qui met le là. Je suis Abitsa et Christian alors Roberto Tobar qui était arbitré final Copa Libertadores que Flamengo a remporté sur River Plate là. 2-1 avec deux goals de Gabigol qui malheureusement pas joué jeudi à Brésil. Gabigol va manquer normalement. Match a été joué à Lima dans Monumental là. Je pense que c'est la 20e stade Monumental. Et Ougain, voilà. À Lima. Il était habitué final 2018 à tout, que River Plate était remporté sous Boca en deux matchs. Mais 2019, c'est un match. C'est un meilleur cycle, les hommes. On a meilleur cycle, les hommes. Wilma Waldon et Pitana, Nestor Pitana. Pitana, c'est un très bon cycle. Et on charge. Vinicius fait charge là. Attention, Vinicius. Attention, Vinicius. C'est au départ de Anderson Santa Maria. Et Benoît qui va le relancer de taper rapide, mais ça n'a pas été un peu de temps pour finir. Il fait le gars ici, qui va le mettre le ballon en jeu pour les Péruviens. Le gars ici, il a demandé monsieur pour avancer, avancer, avancer. Il mettait le ballon nettement en avant, ballon à l'air, dégagement de la tête des Brésiliens. Il m'a allé dans le duel là. Il n'est pas arrivé à contrôler Fabinho, Neymar, la passe en direction de Vinicius, 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 Vinicius font passe en profondeur, Neymar, mais ballon récupéré par la défense et péruvienne, donc décalement par le côté de Vinicius, l'année en plus. Touche pour les Péruviens. Passé un coup de foulard de Neymar. En déviation de la tête, ballon va le contrôler par l'équipe péruvienne. Pas pour trop longtemps, Brésil reprend la passe à gauche. D'ABC chercher Vinicius Junior. Attention. Qui est-ce qui a privé de l'ensemble de faute. Et la faute sur le solide Thiago Silva qui a fait une très bonne compétition. Capitaine d'équipe brésilienne. Non? Thiago Silva qui a retrouvé la couleur avec Chelsea. Oui, Thiago Silva et qui s'est remporté la Ligue des Champions. Avec lequel il a remporté la Ligue des Champions. Chelsea qui est aussi très bas pour le monter et dans le top 4 première ligue là. Qualifié pendant que les champions. C'est United qui s'est bas et c'est Liverpool qui s'est bas. Oui, oui, au départ, tout avec. Au départ, voilà. C'était en la 9e place que. Qui était Thomas Tuchel de l'équipe. Je relance avec Ederson qui peut mettre le ballon dans le jouet. Bon, 5 minutes tu vois, match actif en pile. Surtout sur l'action, pas qu'il a été à terre. Monsieur Tobal qui a quitté, il y en a 2 minutes encore, on a suivi pour nous, puisque nous avons fait ça en pile. Et surtout, c'est le moment ça tout que Douglas Luiz est monté. Et c'est fini. C'est fini. Qualification pour la grande finale du Brésil. C'est le savoir, c'est pas un grand Brésil, pote. Non, c'est pas un grand en Brésil le jeudi à contre la sélection péruvienne de football. Mais l'essentiel est fait. Le Brésil, pour la 6e fois, l'a organisé Copa América, l'est qualifié pour la finale. Nous rappelons
quand 1919, la première fois que le Brésil a organisé la compétition, ça a été remporté. 1922, le Brésil a été remporté la Cayli. 1949, il a été remporté la Cayli. 1989, c'est le a été remporté la Cayli. Et en 2019, le Brésil a été organisé, il a été remporté là. Et belle image entre Neymar et Cristian Cueva. C'est fair play qui gagne dans le jeu là. C'est vrai qu'il y a un qui a perdu, mais où est Neymar passé maintenant pour Cristian Cueva. Donc c'est une belle image. Frank Saint-Ville, victoire 1-0 pour le Brésil qui s'est premier qualifié pour la finale. Même Jean Brésil défait en 2019 et là Brésil arrivé qualifié pour la finale compétition. Pour ce deal, ce n'est pas un grand Brésil. Ils n'ont pas su suivre un grand match football tout. Et Brésil était plus gain ballon dans la première période là. Et dans la deuxième période là, où l'équipe péruvienne est venue avec une autre détermination. Il était venu mettre pression sur l'équipe Brésil là. Et avec John Lucalapadula. Et puis et Colso et Garcia qui était rentré en cours de jeu. Monsieur Sao a chauffé Gant Ederson avec des frappes puissantes. Mais le Brésil est arrivé et protéger Green Gol qu'il a fait. Là. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que Brésil est ses premiers qualifiés pour la grande finale et 47e édition et Copa América. Brésil pourra répondre soit l'Argentine, soit l'équipe colombienne. Hein? Colombie, l'équipe pourra rencontrer avec l'Argentine. C'est pour un bel duel entre deux formations SAO dans un premier temps qui a gagné responsabilité pour nous organiser la Copa América. Ah oui, c'est vrai, les demi-finales entre deux équipes qui ont gagné la Copa América dans le mais pour nous organiser, la difficulté nous connaître. Pour Colombie, c'est donc une crise sociopolitique et pour l'Argentine, c'est Covid-19. Covid-19 là qui est toujours là et nous profiter donc encourager les amis pour continuer à suivre, respecter les gestes barrières. On continue à barrer la route avec Covid-19. Brésil contre l'Argentine pour une finale de rêve, ça ouais. Bon, Brésil contre l'Argentine, c'est ça un pile fanatique football à privé, c'est ça moi m'a privé, c'est ça un pile monde qui aime football à privé. Yon Brésil-Argentine en finale, c'est pas bagaille qui est jamais facile et c'est toujours bel football. Et il faut signaler tout, Steven, Neymar pour jouer premier grand finale Copa América avec le Brésil. Ah oui, et c'est pour la deuxième finale qui va l'opposer Neymar. M'anticipé, oui. Si ça t'a fait qu'il a osé Neymar avec Messi, puisque tu es gagné dans Coupe du monde des clubs, voilà, avec Santos Neymar. Et oui, dans la saison suivante, Neymar, tu es tout traversé dans le Football Club Barcelone, mais nous sommes juste à Neymar, tu prends. Dans la finale, ça, 4-0, c'est ça? Oui, il y a des bons raclés, mais quand il y a l'histoire, et c'est. Si on peut sur le commencement qu'il y a, il n'y a pas si Neymar est tout traversé à jeune Messi dans Barcelone, qu'on y a Messi libre, pas gagné que je l'ai pas traversé à jeune Neymar. À jeune Neymar, non, Paris Saint-Germain. Très bien, mon cher Frank Saint-Ville. Donc on est équipe salle des nouvelles là pour parler de téléjournal là qui pourrait venir là, puisque nous sommes obligés d'occuper le paro à 7h qui c'est le téléjournal là. Nous disons merci à directeur information Serginho Lindo, à toute équipe salle des nouvelles là qui était même collaboré, coopéré avec nous pour que match ça nous t'est servi à mieux. Nous remercions même tout qui t'a suivi nous, qui t'a prêté nos attention tout le temps, tout le monde net qui fait de chaîne ça, chaîne 8 à 10 là tout, chaîne de prédilection nous. Nous disons merci. Nous t'es content voté pour le Brésil contre Pérou. Victoire 1-0, but à la 35e minute de jeu de Lucas Paqueta sous passe Neymar Junior, Brésil qui gagne et qui qualifie pour la finale de la Copa América. Nous rappelons Copa América, il y a une grande finale, mais il y a une petite finale tout. Petite finale la fête vendredi entre perdant jeudi à qui c'est Pérou. Qui va opposer à perdant match demain soir 9h Argentine-Colombie et Brésil va attendre 20h là tout entre Argentine-Colombie demain soir à 9h. Passez une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti.